Alors, on en profite aussi pour remercier le MacVal qui nous accueille ce matin, et puis Claire Maffeo, le département du Val-de-Marne, qui a tout fait pour que cette rencontre ait lieu. Ce n'était pas forcément évident vu les circonstances, donc on est content d'avoir du public, d'avoir des gens aussi de l'autre côté de leur ordinateur, et puis d'avoir les auteurs qui sont là, parce que ça, c'était aussi une autre histoire. Alors, je vais laisser la parole à Rosane, qui va commencer à présenter les auteurs qui sont là ce matin. Le micro, si c'est bon. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, le thème de cette rencontre est donc la création contemporaine dans le domaine de l'album illustré. Et donc avec nous, nous avons quatre auteurs qui ont des univers très différents, très forts en fait, et des techniques aussi différentes, mais qui ont sans doute des références communes. Enfin, en tout cas, voilà, à leur façon, tous, ils contribuent au renouveau en fait, de la création pour la jeunesse. Donc, on va commencer par faire un rapide tour de table de présentation. Donc, je vais commencer par Sophie Vissière. Sophie Vissière, autrice et illustratrice, vous vivez à Toulouse. Vous avez fait des études de communication visuelle, au cours desquelles vous êtes intéressée plus particulièrement au médium de l'impression, en fait, aux techniques d'impression et au rapport entre le livre, la forme du livre et son contenu. Et donc, alors, j'ai juste oublié de prendre le contrôle du PowerPoint, voilà. Et donc, du coup, vous avez commencé par publier, illustrer des livres, des contes en occitan. Et en 2017, vous avez publié votre premier album en tant qu'autrice et illustratrice aux éditions Helium. Donc on voit ici Le potager d'Alena. Et cet album donc, a reçu un beau succès critique et a reçu aussi un prix à la Foire du Livre de Bologne. Et en 2018, vous avez publié Pour André. Ensuite, La Belle équipée en 2020 et très récemment Petite Pousse qu'on voit ici, qui est votre premier album cartonné pour les tout-petits. On passe du coup à la présentation d'Adrien. Alors, donc Adrien, bonjour. Donc Adrien vit à Strasbourg en ce moment, mais tu as commencé à... Enfin, tu viens de région parisienne, donc tu as naturellement commencé tes études à Paris, à l'école Olivier de Serres. Ensuite, tu as continué aux Arts décoratifs de Strasbourg, une école dont la réputation n'est plus à faire. Et tu as même poursuivi en Angleterre, au Royal College of Art de Londres. Alors, tu as écrit 8 ouvrages pour la jeunesse. Ils sont presque tous publiés chez Albin Michel Jeunesse, sauf le premier qui s'appelle Parade, que tu as édité chez Thierry Manet. Donc, les albums chez Albin Michel font partie d'une collection qui s'appelle Trapèze. L'éditrice s'appelle Béatrice Vincent. Donc, ton travail est régulièrement salué par la critique. Tu as eu plusieurs mentions au festival de Bologne, donc en 2015 pour la Chambre du Lion, en 2018 pour le Ruban et 2020 pour le Grand Serpent. Et tu as même eu un prix à la Foire internationale du livre de Shanghai pour le meilleur livre de l'année en 2017 pour le Ruban. Tu as sorti un livre le 31 mars, c'est la petite nouveauté du moment. Donc c'est les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte d'eau. Ce sera l'occasion pour nous d'en parler plus amplement aujourd'hui et de vous le faire découvrir. On se tutoie en fait, c'est plus sympa. J'ai un peu hésité, mais, non, mais c'est peut-être plus simple. Alors, du coup, Helena Selena, vous êtes originaire de Vilnius en Lituanie. Vous avez fait une formation, je te tutoie, c'est mieux, pardon, à l'Académie des Beaux-Arts de Vilnius. Et en fait, vous êtes arrivée à Paris ensuite pour intégrer l'école Estienne, qui est une école spécialisée dans la formation aux métiers d'art. Et donc, dans cette école, vous avez découvert le livre animé. Et depuis, vous n'avez jamais cessé de créer des univers en papier découpé. Et donc, en 2017, votre premier album, Jardin Bleu, est publié chez Gallimard Jeunesse. D'ailleurs, c'était votre projet de fin d'études, je crois. Et en 2018, Jungle, et ensuite suivi de Neige. Et donc, vous avez repris aussi récemment des études en scénographie
et puis nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard. Voilà. Donc il y a avec nous aussi Lucie Félix, qui est en visio depuis le Royaume-Uni où elle réside. Alors, bonjour Lucie. Ah, on l'entend, je crois qu'elle a dit bonjour. Alors Lucie, elle vit actuellement près de Birmingham. Donc évidemment, c'était compliqué pour elle d'être présente en vrai. Donc Lucie, vous avez peut-être le parcours le plus atypique. Est-ce que c'est possible d'entendre Lucie? Parce que... J'ai mis mon micro, je suis là. C'est bon, on t'entend. C'est mieux. Seule. Bonjour Lucie. Alors, oui, bonjour. Par rapport aux autres auteurs de ce matin, vous avez peut-être le parcours le plus atypique car vous commencez vos études par des études scientifiques avec l'obtention d'un master en sciences de l'évolution en biologie. Vous saviez certainement depuis longtemps que vous aviez quand même une âme d'artiste, mais dans votre milieu familial, finalement, il n'y avait pas forcément d'artiste et que c'était peut-être plus simple ou plus ordinaire de commencer par des études scientifiques. Et puis finalement. C'est-à-dire que se dire qu'on pouvait gagner sa vie en tant d'élève pour enfants, c'était pas évident. Ouais, je comprends. Moi aussi. Je pense que c'est le cas pour les autres. Ouais, moi aussi, je devais faire du droit aussi. Vous avez adoré du coup vos études scientifiques qui vous ont apporté plein de choses, donc notamment une certaine méthodologie, des capacités d'observation et d'analyse qui vont aussi vous servir pour votre carrière artistique tout simplement. Mais vous décidez quand même d'avoir un diplôme artistique en intégrant du coup l'école d'art de Lorraine à Épinal. Et c'est là que vous découvrez des grands artistes dont on va entendre parler tout à l'heure, Bruno Munari, le couple Marie ou Komagata, des noms qui vont vous donner envie de vous lancer en fait dans l'album jeunesse, dans le livre jeunesse. Alors vous êtes l'autrice de 7 albums jeunesse publiés aux éditions des Grandes Personnes, donc vous en publiez environ un par an, et nous allons pouvoir découvrir quelques images du dernier qui sort à l'automne, qui s'appelle Le Nid. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir commencer. On commence, ouais. On commence donc les premières questions. Donc, en fait, pour préparer cette rencontre, on a posé plusieurs questions en amont. La première était de savoir un peu quels étaient les artistes, les créateurs, créatrices qui vous ont inspiré. Et donc, en fait, dans les noms qui sont revenus assez souvent, donc on en parlait à l'instant, il y avait donc Bruno Munari, qui est un artiste italien pluridisciplinaire qui s'est beaucoup intéressé au livre et à la forme du livre, à l'objet livre aussi pour les enfants. Donc là, ce qu'on voit, c'est un peu, c'est les pré-livres en fait, c'est 12 petits livres format carré qui ont des textures et des reliures différentes et en fait qui sont faits pour vraiment aider les tout-petits à appréhender l'objet livre en fait, en le manipulant avec à l'intérieur des fois des symboles un peu comme des surprises. Donc voilà, un créateur très important. Ensuite, il y avait le couple Enzo et Yela Marie, qui du coup, avec Bruno Munari, ont vraiment fait les beaux jours de la maison d'édition Danese à Milan, qui était un peu spécialiste des plus belles créations pour enfants à partir des années 60 jusqu'aux années 80. Et donc, ils ont créé des jeux, mais aussi des livres. Donc là, il y a La Pomme et le Papillon, et L'œuf et la poule, qui sont deux albums qui ont la particularité d'être sans texte et qui ont un peu révolutionné en fait, le regard aussi sur les publications pour les enfants. Et enfin, donc parmi tous les créateurs que vous avez cités, parce que ce n'était pas les seuls, mais on a choisi aussi de présenter rapidement Katsumi Komagata, qui est un artiste japonais, donc graphiste de formation, qui a été très influencé aussi par Bruno Munari. Et en fait, il a créé son studio de graphisme One Stroke dans les années 80. Mais c'est vraiment avec la naissance de sa fille qu'il va se lancer dans l'édition de livres pour enfants. Et donc là, ce qu'on voit, c'est Little Eyes, 10 petits livres avec des formes et des symboles graphiques assez simples aussi, comme une introduction au livre. Et donc, il fait aussi des livres pop-up. En fait, il y a dans chacun de ses livres une forme d'épure pour permettre à l'enfant d'appréhender vraiment le livre de manière simple et de créer aussi tout un imaginaire autour des livres.
Donc voilà quelques images de petits arbres. Et donc, la question qu'on se posait, c'était de savoir en fait en quoi ces artistes vous avaient inspiré. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de créer pour les enfants, en fait? Grosse question. Alors, ben moi, je pense que... Enfin, après, c'est une question assez vaste. Mais je pense que ces artistes-là, en particulier, de mon côté, c'est ceux qui m'ont permis de faire le lien entre mes études de communication visuelle, où j'apprenais à réfléchir à, bah, plus au contenant, en fait, à l'objet livre. Et c'est ça que j'aimais, en fait. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans le livre pour enfants. C'est que j'ai apprécié de trouver des objets très particuliers. Voilà, entre du coup l'objet du livre et l'histoire, en fait, et l'histoire que tu veux raconter. Et dans leur travail, bah, à tous les trois, en fait, enfin, il n'y a pas forcément d'histoire, mais en tout cas, le contenant est directement en lien avec, avec le contenu. Et c'est peut-être une particularité aussi qui est propre au livre pour enfants, bah déjà parce que le toucher est peut-être un sens qui est plus utilisé par les enfants que par les adultes, a priori. Enfin. Et bah aussi, j'ai l'impression que c'est parce que c'est des livres qui accordent une grande place à l'image. Et avec l'image, en fait, on est moins tenu aux contraintes de au respect du sens de lecture du texte. Et donc, ça permet une plus grande liberté dans la création de l'objet. Adrien Parlange. Bon, moi, déjà, je pense que j'ai découvert Munari très récemment. J'ai découvert Munari quand j'avais, je pense, déjà 24 ans et que j'étais déjà très intéressé par les livres et j'avais déjà... je me posais déjà plein de questions sur comment raconter des histoires, mais finalement Munari et Komagata aussi. Ah, il faut que je change de micro. Merci. Ah oui, ça change tout. quand moi j'étais enfant, j'avais absolument jamais entendu parler de Munari, et c'est aussi une question bon, que vous n'avez pas posée, mais que moi je me pose de temps en temps au sujet de l'absence de patrimoine, enfin le fait que certains livres qui sont considérés comme des classiques sont pas faciles d'accès ou pas forcément qu'on les trouve pas, et enfin facilement en librairie ou ils sont pas forcément mis en évidence. Donc je les ai découverts en école d'art parce que des gens avaient des vieilles éditions et donc enfin comme Agatha, il a fait des livres qu'on trouve aujourd'hui, mais il faut un petit peu se donner du mal quand même pour tomber sur ces livres-là. Et au final, je pense que ça a été une grande joie de les découvrir, parce que je me suis dit, ah mais donc il y a des gens qui se posent la question de l'objet, qui, parce qu'on nous parle beaucoup du rapport texte-image, c'est quelque chose d'assez important quand on commence à illustrer des livres, mais là c'est encore autre chose, c'est pas le rapport texte-image, c'est vraiment le rapport texte-image-objet, où parfois il y a juste un émerveillement à voir de la couleur pure, des formes qui apparaissent, des volumes, des découpes, et toute l'émotion ou le sens qui en découle. Elena ? Donc moi c'est vrai qu'avant d'arriver... en France, pour faire mes études, je ne connaissais pas trop les livres animés. Donc pour moi, c'était une grande découverte quand je les ai vus pour la première fois et j'ai commencé à m'intéresser à cet univers-là. Et c'était vraiment Katsumi Komagata qui était une des personnalités principales qui m'a inspirée. Enfin, quand j'ai découvert ces livres, j'étais vraiment émerveillée par... la pureté de ces ouvrages. Il n'y a vraiment rien qui serait un accident, enfin, tout est pensé, il n'y a rien de trop, enfin, vraiment, il n'y a que l'essentiel, et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et aussi l'attention qui est portée sur le papier, sur les textures, et en fait j'étais étonnée de voir qu'on peut raconter
des histoires qui nous touchent très profondément avec très peu de moyens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est mon objectif même aujourd'hui. Enfin, j'essaie à chaque fois de me poser des questions en me disant, est-ce que c'est vraiment nécessaire cette chose-là pour mon histoire, ou est-ce que je peux raconter la même chose en se passant de cet élément-là. Et aussi, ce qui m'a beaucoup touchée dans son travail, c'est ses livres, ils ont l'air très fragiles. Ils sont d'ailleurs un peu chers par rapport aux autres livres. Et on se dit, parfois, j'ai entendu des parents dire « Oui, mais ces livres-là, on ne va jamais les donner aux enfants, ils vont les casser et tout. » Mais une fois, j'ai lu dans un interview qu'il avait dit qu'en fait, si on ne donne pas les livres précieux aux enfants, si on les apprend pas à les apprécier, bah, elles pourront pas. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Donc, et c'est vrai. Enfin, je trouve que les enfants, ils apprennent à apprécier les jolis objets, et c'est très important de leur donner accès à ça. Et vous l'avez rencontré d'ailleurs, Katsumi Komagata. J'avais vu une photo. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a 2 ans au salon de livres de Vilnius en Lituanie. D'accord. Donc, c'était chouette. Ouais. Super. Et on voit pas Lucie Félix, mais peut-être qu'elle aussi, elle a des choses à nous dire sur ses influences. Est-ce qu'on peut avoir du son ? On ne t'entend pas pour le moment. C'est bon. Je disais que j'étais d'accord avec tout ce que viennent de dire mes trois pères. Que clairement, il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part peut-être de dire qu'il y a l'idée de l'abstraction que je trouve est très belle à amener aux enfants. Moi, ce que j'entendais parfois, c'est oui, mais c'est des livres qui sont un peu abstraits quand même. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Parce que moi, pareil, comme Adrien et comme les autres, je les ai découverts adultes, en fait, quand j'étais étudiante. Donc, on se dit qu'effectivement, on est assez grand pour comprendre tout cet aspect abstrait. Mais en fait, après, moi, les avoir vus avec les enfants, il n'y a pas trop de problème, quoi. C'est tout à fait apte à comprendre tout ça. Et même, en fait, à apprécier. Et donc ça, c'est un beau pari. Et en fait, je voudrais juste rajouter aussi, je trouve que moi, ce qui me touche beaucoup aussi dans leur travail, c'est le respect qu'ils ont, je trouve, pour l'enfance. On voit que Mounari, par exemple, il a très tôt fait beaucoup d'ateliers avec les enfants, passé beaucoup de temps à observer ce qu'ils faisaient, leur proposer des ateliers très libres. Komagata, c'est pareil, je pense, enfin moi, je n'ai jamais discuté avec lui, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes pour eux. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, voilà, enfin voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, vraiment l'idée que les enfants méritent de belles choses, en fait. Je rejoins un peu ce que disait Elena, c'est-à-dire méritent de belles choses, même si elles sont fragiles, et c'est pas grave. On peut tout à fait leur donner tout ça, et quelque part, c'est un peu le meilleur moment pour les familiariser avec tout ça. Très bien, merci. J'ai commis un écho, je suis un peu perturbée, je ne sais pas si vous... Non, c'est bon, super. Okay. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les coulisses de la création. On va aborder le côté un peu technique. Chaque auteur, illustrateur a parfois une approche assez sensorielle, assez... assez plastique finalement du livre comme objet artistique. Alors on vous propose de commencer peut-être par Elena. On a une petite vidéo qui nous présente un pop-up. Alors attention, les yeux. Magie. Tadam. Un pop-up géant. Alors Elena, peut-être que vous pouvez nous expliquer comment commence la création d'un pop-up, quels outils vous utilisez ? Oui, donc en fait, souvent les outils sont très simples, c'est juste du coup un cutter, et puis un crayon, de la colle, et puis des papiers,
des papiers couleurs. Là, vous voyez des papiers que j'avais prédécoupés pour Jardin Bleu il y a très longtemps, que j'ai gardés. Mais souvent, voilà, c'est des outils très simples et une planche à découper, voilà. Et je commence par faire des toutes petites maquettes qui tient vraiment dans la main pour tester mes idées, parce que parfois on a des idées, mais il faut trouver une manière pour les traduire visuellement. Donc il faut que je fasse plein d'essais en tout petit pour voir si mes idées marchent. Et vraiment, parfois, ça a l'air un peu drôle, enfin, c'est vraiment rikiki. Et après, une fois que je sais que ça peut marcher, je les refais un plus grand, mais je ne cherche pas la perfection, je fais un peu rapidement, pour, comme si c'était une sculpture, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui se refait pas mal de fois, et les maquettes deviennent de plus en plus précise et voilà, et soignée. Mais c'est vrai que c'est important de ne pas, enfin moi en tout cas, je mets pas la pression au début. Je me dis c'est pas parfait, c'est pas grave, je me laisse le temps pour arriver à un résultat bien soigné, voilà. Donc c'est comme ça que je travaille, surtout que au début vraiment c'est important de faire un peu le squelette, la construction, et puis après on peut rajouter des choses beaucoup plus fines et affiner les découpes et les illustrations. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Et du coup, les maquettes sont faites entièrement à la main au début, en tout cas, avant que le livre voit le jour. Oui, oui, toujours. Et même, j'aime bien parfois faire des petites illustrations en papier découpé pour les scanner ensuite et refaire sur ordinateur, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est important dans l'imperfection des découpes. Enfin, c'est intéressant souvent. Et j'arrive pas toujours à refaire la même chose en dessinant directement sur l'ordinateur. Donc c'est important vraiment de passer par les choses manuelles. Enfin, c'est très important. Alors chaque auteur-illustrateur a sa technique. Peut-être qu'on peut enchaîner avec Sophie, peut-être. Alors Sophie, voilà, c'est une technique aussi assez longue qu'on peut observer là. Le pochoir, oui. Ouais, le pochoir qu'on peut observer dans le gif juste derrière nous. Est-ce que tu peux peut-être nous commenter un peu les images, les différentes étapes? Oui. Donc alors moi je travaille, pour tous les livres que j'ai fait chez Helium, en fait, j'ai fait des images au pochoir. Donc je dessine d'abord mon image au crayon avec un contour assez net. Donc ça c'est déjà une phase de finalisation. Et ensuite je fabrique des pochoirs, donc minimum un pochoir par couleur. Alors comme Elena, c'est des outils très simples, pareil. Cutter, crayon. Voilà, cutter, stylo indélébile. Parce que je fais mes pochoirs en fait sur des transparents pour rétroprojecteurs. Hop, voilà, j'en ai amené sur lesquels je mets de la colle en bombe pour qu'ils puissent adhérer au papier. Et ensuite, je peins avec des rouleaux en mousse, les mêmes que les enfants, et la même gouache que les enfants aussi. Donc voilà, une certaine économie de moyens. Et c'est un petit peu comme Elena, en fait, c'est un travail qui se fait étape par étape. Et moi, c'est un travail qui me correspond parce que je suis à la base pas très à l'aise en dessin. Et du coup, ça me permet de vraiment construire mon dessin et de pouvoir le modifier à chaque étape. Parce que le contour change, parce que je redessine des détails après aussi au crayon de couleur. Comme le pochoir ne permet pas un grand niveau de détail. Mais ça veut dire qu'il faut faire des pochoirs à chaque fois que le personnage est légèrement différent aussi. Oui, au début je me disais que j'allais en profiter pour réfléchir à des pochoirs que je peux réutiliser et faire des images malines comme ça. Et en fait finalement je me suis rendu compte que ça me prenait plus de temps que de travailler vraiment comme en impression, en fait comme en sérigraphie. D'abord préparer mon image et ensuite de faire mes pochoirs... couleur par couleur, un pochoir par image, en fait. Oui, c'est un sacré boulot, quand même. Oui, c'est un sacré boulot. Pour Adrien et pour Lucie, c'est un peu différent, parce qu'on est plutôt sur... chaque ouvrage, c'est plutôt l'occasion d'expérimenter quelque chose de différent. Là, on a des plaques de linogravure qui ont servi pour deux de tes ouvrages. Là,
Alors, oui, c'est vrai qu'on a un micro pour deux. Alors, je vais te laisser mon micro. Oui, donc la linogravure, c'est une technique que j'ai utilisée sur, pour différents livres. La première fois, je m'en suis servi pour La Chambre du Lion, parce que tout le principe du livre, c'était d'avoir une répétition, de retrouver le même lieu de page en page, avec assez peu de variations. Donc je me suis dit, plutôt que de redessiner ces mêmes formes à chaque fois, je les grave une fois, et je les redispose sur chaque page, en les déplaçant très légèrement, mais c'était aussi pour donner au livre un petit aspect jeu, ou jeu de société, comme si j'avais des éléments fixes, comme ça, que je déplaçais dans mon format, comme on déplacerait des pions sur un plateau. Et j'aimais bien l'aspect légèrement effacé, un peu coup de tampon que la linogravure donnait. Et ça m'a aussi permis de gagner du temps, donc de ne pas redessiner toutes les choses à chaque fois. Sauf que finalement, pour que l'ensemble soit cohérent, j'ai aussi représenté tous mes personnages en linogravure. Et c'est là que je n'ai pas du tout gagné du temps et que c'est devenu au contraire extrêmement long. Et j'ai, malgré ça, malgré le fait que ça a été très long, je me suis quand même dit que c'était une technique que je voulais réutiliser. Donc je m'en suis resservi pour un autre livre qui s'appelle Le Grand Serpent. Et là, cette fois, l'idée, c'était de, plutôt que de redessiner, encore une fois, peut-être parce que je suis flemmard ou je ne sais pas, je me suis dit que plutôt que redessiner le serpent à chaque fois, j'allais décomposer ce grand serpent en plein de petits modules qui seraient une courbe, une petite courbe, une grande courbe et différentes droites. Et donc, le serpent, tout au long du livre, il est constitué comme ça de tous ces modules, mais comme les wagons d'un train. Donc j'ai gravé uniquement les courbes, et puis après je me suis resservi de ces impressions que j'ai redécoupées numériquement pour recomposer le tracé du serpent. Alors peut-être qu'on va donner la parole à Lucie. Alors Lucie, comme Adrien, voilà, chaque ouvrage est souvent différent. Tu as fait des livres en pop-up, des livres avec des découpes, des livres avec des éléments à manipuler de page en page. Alors, Lucie est parmi nous. Je suis là. Ouais. Oui, effectivement. En fait, moi, c'est vrai que je pense plutôt au livre en premier comme une manipulation. Soit l'utilisation qui va être faite sur l'objet vraiment en premier, mmh. Et donc l'image est un peu secondaire d'une certaine manière. Donc après, je vais beaucoup travailler avec l'infographie, en fait, ça va tellement plus vite. Hein. Ça me permet de faire plein d'essais, quoi, au lieu de... Parce que sinon, après, ça pourrait être du découpage, ça pourrait être des choses... De toute façon, il y a toujours un moment où il faut revenir à une maquette, voir si ça fonctionne, si l'objet est intéressant ou pas à manipuler ou quoi. Donc, il y a toujours un passage, je pense un peu, voilà, comme Elana, il y a toujours un passage par l'objet, mais quand même, l'infographie, ça... Donc, c'est dommage de s'en priver. Et en plus, ça amène à d'autres trouvailles. Mm-hmm. Donc, voilà, par exemple, vous voyez, dans Deux yeux, il y a des formes qui sont en... Comme par exemple, je ne sais pas si vous voyez dans la page où il y a les feuilles de buisson qui apparaissent. C'est des choses qui sont des intersections. Mm-hmm. On l'a, je ne sais pas si tu nous vois, mais on l'a. Hélène va montrer la page, je pense. En découpage, on ne l'a pas, en fait. On ne peut pas avoir une intersection. On a des ajouts ou des soustractions, si vous voulez. Donc, sans travailler avec l'infographie, je pense que j'aurais eu du mal à tomber sur ce petit élément. Donc ça, c'est pour donner un exemple. Et puis après, en fait, j'ai beaucoup de moments d'observation avec les enfants, d'ateliers avec les enfants. Et donc ça, c'est pareil, ça m'amène plein de petites trouvailles comme ça, des choses probablement que je n'aurais pas pensé. Quoi. D'accord. Dans ces cas-là, quand tu rencontres les enfants, tu t'imprimes tout simplement ton travail, tu fais une sorte de mini-maquette maison et que tu laisses un peu manipuler par les enfants. Oui, c'est ça. Je garde un peu en tête la chose pendant un certain temps et ça finit par déboucher sur autre chose. C'est des idées de manipulation, des idées d'objets.
Ok, c'est intéressant. Du coup, si j'ai répondu à la question. Si, très bien. Et ça nous amène bien à l'autre question qui suit, toujours sur la forme du livre, sur l'objet vraiment lui-même, parce que donc il y a la relation, les expérimentations avec les enfants, mais il y a aussi la relation avec l'éditeur, en fait, tout ce qui est technique, en fait. On se posait donc la question, parce que chacun, vous avez quand même des livres avec des formats assez atypiques, donc là, notamment. Votre dernier livre, Adrien, Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie. Donc, c'est un format très allongé, assez étroit, assez inédit aussi en littérature jeunesse. Elena, les pop-up, Lucie, on a Coucou qui se déplie. Et puis, en effet, Sophie Vissière, votre dernier livre, c'est un livre avec une reliure, je crois, à l'allemande qui s'ouvre vers le haut. Donc voilà, en fait, on se posait un peu la question de ce travail en amont avec l'éditeur. Comment vous fonctionnez? Est-ce que du coup, c'est des discussions que vous avez avec lui qui vous amènent à cette forme? Ou est-ce que vous avez toujours une forme en tête avant? Enfin voilà. Dans quel ordre un peu ça se passe? Comment ça se passe avec l'éditeur? L'éditrice même. Pour parler de mon cas personnel. La forme, c'est presque la toute première chose que j'ai en tête. Donc, par exemple, pour l'histoire de la goutte de pluie, j'avais depuis un moment envie d'essayer de faire un livre qui aurait ce format-là, parce que c'est un format qui m'amusait, qui me paraissait très contraignant et donc très excitant. Tout découle du format. Donc, quand j'ai présenté ce projet à mon éditrice, Béatrice Vincent, il y avait déjà le format. Donc, au final, les discussions qu'on a ensuite, c'est plus, par exemple, sur une gamme de couleurs. Quand j'ai des hésitations, moi, je lui demande son avis parce que ça m'aide à trancher. Mais en tout cas, la forme générale, c'est ce qui me donne envie de me mettre au travail. Donc, ça doit vraiment être c'est ce qui est à l'origine de tout. D'accord. Ok. Moi, c'est un peu pareil, je pense assez rapidement à la forme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions avec mes éditrices après. Enfin, en fait, au début, elles me laissent un peu la liberté de proposer tout ce que je veux. Et après, bien sûr, il y a des discussions qui suivent. Et parfois, on est obligé de simplifier ou de trouver des compromis. Parce que tout ce qu'on peut faire à la main, c'est pas toujours possible de faire... une impression et faire un tirage important, surtout quand c'est des livres en papier découpé un peu complexe à réaliser. Voilà. Mais après, le format, c'est pas toujours une grande question. C'est plus les systèmes et de pop-up qui sont à l'intérieur. Parce que parfois, je fais des choses peut-être un peu trop complexes ou trop fines. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris de sacrifier certaines choses et voir après que le résultat il est un peu le même. Enfin, on arrive quand même à transmettre le message que je voulais transmettre avec un peu moins de moyens et peut-être moins de découpes très fines. Donc ça me choquait un peu au début. J'avais du mal à me séparer de mes idées, mais après je pense que c'est important de savoir aussi trouver des compromis pour que le livre puisse voir jour. Et puis parfois même le résultat n'est pas moins bien. Enfin, donc, mais c'est vrai que c'est un long processus de discussion autour de ça. Et puis il y a aussi des idées de coûts dans l'impression des pop-up aussi qui amènent des fois à rationaliser un peu les choses. Enfin... À fait. En plus, comme ces livres sont montés à la main, c'est des coûts assez importants. Chaque point de colle, ça représente un coût, donc il faut bien y réfléchir en avance pour que ça soit faisable, en fait. Oui, Sophie, du coup, on se demandait peut-être que vous avez une forme un peu plus traditionnelle d'album, mais là, par exemple, le dernier, il y a le choix de faire un album cartonné aussi pour les petits, avec cette reliure. Est-ce que ça aussi, vous en discutez en amont ou pas? Oui, alors moi, c'est peut-être moins flagrant. Mais en fait, moi aussi, comme vous, c'est vraiment l'idée de l'objet qui me donne envie de faire le livre.
Sauf que, après, moi, j'ai l'impression que ça évolue tellement que quand je présente les projets, on en discute tout de suite avec mon éditrice, avec Sophie Giraud. Et ça peut complètement changer, en fait. Donc, par exemple, pour Petite Pousse, l'idée de cette reliure à l'allemande, ça, c'était vraiment l'idée de départ. C'est ce qu'il cherchait à animer. En fait, au départ, j'ai eu l'idée de faire des personnages qui se déplient et qui se relèvent. Bah, c'est un petit peu un faux pop-up, en fait. Ouais, c'est comme si c'était un pop-up, sauf qu'avec une économie de moyens extrêmes. Donc pour celui-là, c'était là. Après, on s'est posé la question du format. Moi, j'avais envie quand même qu'il soit assez grand, qu'il y ait l'idée de spectacle un petit peu, que ce soit assez grand pour les enfants, pour les petits. Et le fait que les pages soient cartonnées, c'était pas le cas au départ, en fait. Au départ, moi, j'avais envie que ce soit des pages papier, parce que j'avais l'impression que ça allait donner plus de souplesse aux personnages et qu'on allait pouvoir plus s'amuser, en fait, à les tordre dans tous les sens. Et finalement, par rapport à la destination et à l'utilisation, on s'est dit que des pages en carton, c'était plus adapté. Plus viable, ouais, plus pratique. Et finalement, j'aime bien aussi, en fait, moi, ça me fait penser aux panneaux d'affichage des aéroports ou... Ah oui. Ou de la SNCF, en fait. Il y a un côté flipbook. Ouais, ouais. Et alors, pareil, est-ce qu'on peut entendre Lucie sur cette question ? Allô ? Oui, Lucie. Donc, on se posait la question. Oui, bah alors, oui, là, tout le travail avec mon éditrice, ouais. Très, très important pour moi. C'est vrai que je vais toujours également lui amener des projets à des stades vraiment hyper précoces. Parce que j'aime bien bah, parfois, l'idée n'est pas forcément bonne, donc c'est bien qu'on nous le dise un peu tôt. Et puis voilà, ça me pousse. Brigitte Morel, donc éditrice des grandes personnes, n'est pas quelqu'un de très bavard, mais quand elle parle, en général, c'est plutôt bien vu. Donc ça vaut le coup d'entendre son avis. Et puis vous m'entendez toujours là ? Oui, 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 très bien. Ok, j'étais tellement seule. Et donc du coup, voilà, oui, c'est important. Et donc ouais, ce que je voulais dire, je sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression que Brigitte, c'est quelqu'un qui a une vision de son métier très forte et qui est vraiment là pour défendre des artistes, défendre une vision du livre pour enfants. Et avec chaque artiste, je pense qu'elle a une relation comme ça très riche. Et on voit voilà son travail de par exemple autour de la photo, le travail de Claire D ou d'autres photographes ou le travail pour les tout petits. Je pense qu'elle a vraiment cette force aussi de pousser les autrices, les auteurs dans des directions plus plus fortes. On va peut-être enchaîner avec la question d'après. Et Lucie, c'est bien que tu restes avec nous. On va s'intéresser au livre pour les tout-petits. Finalement, au fil des années, j'ai l'impression que c'est devenu un peu ta spécialité, les livres pour les tout-petits, Lucie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi, pour toi, ça diffère de voilà, la plupart des albums, normalement, c'est à partir de 4 ans. Et voilà, toi, tes albums sont souvent à partir de 2 ans. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu imagines ces livres ? Tu parlais de l'importance de la manipulation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Notamment peut-être autour de Coucou qu'on a là déplié. Et puis tous les autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Alors, pourquoi la question, c'est en fait pourquoi je m'intéresse vraiment à ces premières années, c'est au tout petit, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et en quoi ça fait des livres qui sont différents des autres, des albums plus classiques ? Je pense que, en fait, le truc, c'est que je pense que chacun est super intéressant. Pour l'instant, je me sens très, très loin des ados, mais pourquoi pas un jour, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tous les âges sont vraiment chouettes. Après, c'est vrai que les tout-petits, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est vraiment, vraiment dépaysant, quoi. Quand on est un adulte, on a quand même vraiment oublié ce que c'est que d'avoir 2 ans et d'être quand même d'avoir une vision très parcellaire du monde. Tout est à apprendre.
je veux dire, un livre pour les tout-petits, au début, moi, je comprenais, je montrais un livre avec une étoile à mon fils ou à d'autres enfants, voilà, à travers mon travail. Il sait pas ce que c'est, une étoile, quoi, je veux dire. Donc, il faut lui expliquer. Donc, le signe que tu vois là, par exemple, une étoile à six branches ou je ne sais quoi, c'est une étoile, ça ne ressemble aucunement à une vraie étoile dans le ciel. Donc, il faut qu'ils comprennent tout ça, qu'ils apprennent tous ces signes, tous ces symboles. Et là, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et ça, je trouve que ça nous renvoie, en fait, au tout début de notre humanité, quoi, de notre rapport au monde, comment on construit notre rapport au monde. Et je trouve ça super intéressant. Donc après, il y a plein de domaines de sciences cognitives qui s'intéressent à tout ça. Donc je ne veux surtout pas laisser entendre que je suis spécialiste de tous ces domaines-là. Mais en fait, si vous voulez, c'est juste des choses qui sont tellement intéressantes, je trouve, que voilà pourquoi je m'y intéresse. Et après, c'est vrai que pour les tout petits, il y a le côté de la relation, vraiment, je trouve, moi, entre pourquoi les enfants aiment lire avec leurs parents, j'en sais rien, je pense qu'il y a plein de raisons, mais il y a aussi certainement la raison que quand on est sur les genoux de papa maman en train d'écouter une histoire, c'est quand même bien agréable. On a une attention, on découvre des choses dans un contexte affectif. Et donc moi, il y a ça aussi, cet aspect vraiment d'échange avec l'enfant à travers la lecture. Donc coucou, voilà, c'est complètement ça, vous voyez, c'est un livre qui est vraiment, c'est une fenêtre entre deux personnes, c'est en gros à peu près vraiment l'essence de ce livre. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la résidence, du coup, qui a fait naître Coucou? Je pense que là, tu as pu vraiment le tester. On a des photos, mais je suis pas sûre qu'on puisse mettre les photos et toi en même temps. Mais on te voit avec Tu peux mettre les photos et puis je peux en parler si tu les veux. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir le son de Lucie, mais en même temps les photos? Oui. Donc, c'était une résidence qui m'a été proposée aux Mureaux. Et donc, les petits villages aux alentours. Et donc, c'est super, parce que ce genre de... C'est quand même super, vraiment un luxe d'avoir une carte blanche, quoi. Donc là, on me dit... Parce que travailler avec des enfants, c'est pas évident si on n'est pas enseignant, comment on fait? Je veux dire, moi, je suis pas assistante maternelle, je ne suis pas enseignante, j'ai mes enfants à la maison, mais voilà, c'est tout. Donc, il faut avoir accès à des classes. Donc là, c'était l'occasion, tout simplement. Et on me dit, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est pareil, c'est aussi assez génial. Donc, j'ai pu expérimenter, plus que coucou, en fait, c'est plutôt une démarche générale, vous voyez, de comment on amène les choses à des enfants, comment on est en collectivité, donc on a 30 enfants de maternelle, c'est quand même, ça peut vite être le chaos. Donc, comment on fait pour arriver à créer des conditions qui vont permettre de faire des choses intéressantes avec eux et d'amener un cadre où ils vont pouvoir être libres dans ce cadre-là. Donc, ce sont de grands mots, évidemment, c'est très difficile. Mais voilà, moi, j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus et... pour moi, le livre arrive dans cette démarche générale. Là, il y a des images du Nid, donc qui n'est pas encore sorti, qui sort à l'automne prochain. Là, j'ai l'impression que tu as trouvé un cobaye à la maison pour tester. Ouais, c'est surtout que je me signe moi-même des petites autorisations de diffusion d'images. Est-ce que peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ce projet? Ouais, donc ça, c'est pas... Ah, je t'entends plus. Ah. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce nouveau projet? Oui, voilà, donc ça c'est pareil, c'est un projet qui vient vraiment de beaucoup de temps passé aussi avec des petits et de réfléchir comment toujours dans la foulée de coucou, comment impliquer corporellement les enfants. Donc c'est un imagier, donc quand tu le déplies, tu dois avoir une image où il est tout déplié. Là, voilà, on a un côté avec le grand oiseau de la paix dans le monde, et l'autre face, une face imagier, et donc ça se comporte comme un imagier. Donc avec un tout petit, on peut, il y a une manière toute simple de regarder un imagier, c'est désigner les objets, les nommer, donc c'est déjà intéressant pour eux en général, ils connaissent pas forcément les mots. Et ensuite, là, l'idée, c'est d'avoir l'objet où on va chercher, mais on va y aller, on peut y aller à quatre pattes, on peut y aller en rampant, en cherchant. Donc là, mon fils qui a 4 ans est déjà un peu grand pratiquement pour ce livre, il s'est quand même prêté, il aime bien quand même manipuler. Parce que donc voilà, ça se monte ensuite en cabane, et donc après, quand on cherche la fleur, quand on cherche les nuages, il faut vraiment tourner autour pour le trouver. Et donc moi, ça, c'est vrai que d'impliquer l'enfant
le tout petit corporellement, je trouve que ça a du sens parce que ils ont quand même, voilà, ils sont au moment où ils apprennent à se servir de leur corps, quoi. Voilà. Très bien, merci Lucie. Merci. Sophie, toi, c'est ton premier livre pour les tout petits, les petites pousses. Les albums précédents, c'était plutôt pour les enfants à partir de 4-5 ans en général. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as abordé un peu ce nouveau défi? Et puis, est-ce que toi-même, tu as fréquenté des tout-petits pour faire ce livre? Alors moi, pour le coup, pas du tout. Et d'ailleurs, ça me faisait un peu peur parce que c'est un public que je ne connais pas bien. Même si j'ai rencontré beaucoup d'élèves de maternelle. En général, c'est quand même les plus grands, donc moyenne section, grande section. Non, et du coup, là, pour le coup, le travail avec mon éditrice, pour moi, c'était vraiment un regard aussi extérieur. Enfin, je lui ai fait confiance par rapport à ça, parce qu'elle... Elle publie beaucoup de livres pour les tout-petits, ouais. Donc, elle, je pense qu'elle a pu me faire des retours par rapport à la réception. Mais je me pose pas beaucoup la question, parce que pour moi, c'est un livre qui est, j'espère, accessible aux tout-petits, mais qui n'est pas forcément réservé aux tout-petits. D'ailleurs, comme tous les livres, comme les livres de Lucie aussi. Enfin, moi, c'est un livre que je pourrais acheter pour moi, parce que je le trouve beau. Coucou, par exemple. Donc voilà, je ne me suis pas spécialement posé de questions par rapport à ça. Après, il y a une question, enfin, on se disait quand on regardait ensemble la dernière fois qu'à la fin, il y avait quand même cette petite question d'interactivité à la dernière page où on imagine que l'enfant va souffler sur la page pour arriver à la prochaine où les pétales s'envolent. Enfin... Bah, je pense que j'avais quand même en tête les enfants que je peux observer et puis surtout aussi pour les personnages en fait. Pour les personnages, j'ai beaucoup, même si c'est des enfants un peu plus grands qu'on voit le plus, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup observé d'enfants en fait, pour essayer de leur donner des positions ou des attitudes en fait de vrais enfants. Mais... Bravo. Et donc, ah oui, alors ça c'est plutôt la prochaine question. Voilà, en fait, on revient un peu dans cette question-là à Bruno Munari, à Enzo et Yella Marie. En fait, c'est plus une question, avant d'aborder les questions de narration, sur l'épure en fait, des illustrations. Parce que vous avez tous quand même, dans vos livres, une certaine épure des images. Et on se demandait un peu aussi... comment vous en étiez arrivé là? Est-ce que là aussi, il y avait un processus où peut-être au début, quand vous avez commencé à créer des livres pour enfants, vous en faisiez beaucoup et vous avez un peu progressivement, vous êtes venu à l'essentiel. Enfin, comment ça s'est passé un peu pour vous? Sophie, Elena? Moi, c'est vrai que c'était un long parcours, pas toujours facile pour arriver à ça, parce que, comme je vous le disais, j'ai un peu découvert le livre animé quand j'étais à l'école, et Jardin Bleu, c'était mon projet de fin d'études, donc j'ai consacré vraiment la dernière année de mes études pour faire ce livre. Et je savais que j'avais envie de faire un livre en volume, j'avais l'idée d'une histoire, mais puis j'avais vraiment du mal à trouver le style des illustrations, puisque avant j'ai beaucoup travaillé en technique, pour des albums un peu plus classiques, comme en aquarelle ou peinture ou dessin, et ça marchait pas du tout en pop-up, en fait. Je savais pas pourquoi, mais ça marchait pas du tout. Et puis j'ai compris que comme la forme, elle est déjà très complexe. En fait, si on rajoute des illustrations avec beaucoup de nuances et beaucoup de détails, en fait, ça commence à lutter. Et j'ai compris qu'il faut que je trouve une manière visuelle pour mettre en valeur la forme et les découpes. Et du coup, que les deux, ils soient un équilibre et en harmonie. Donc petit à petit, j'ai mis de côté l'aquarelle et la peinture, et j'ai pris le papier découpé, les ciseaux, le papier couleur, et donc j'ai commencé à faire des découpes. Et en fait, mon trait de découpe, il est devenu mon trait de dessin, en quelque sorte. Mmh.
petit à petit. Ouais, c'est intéressant. Là, donc, on remontre un peu des images de Bruno Munari, mais on pensait aussi, par exemple, à Nathalie Parrin. Je crois qu'elle vous a pas mal influencée, Sophie. Bah oui, moi, c'est elle, entre autres, mais beaucoup elle, qui m'a donné envie, en fait, de me mettre au pochoir. Parce que moi aussi, avant ça, avant le potager d'Alena, j'ai illustré des albums de contes en occitan. À chaque fois, je testais, un petit peu comme toi, Elena, j'ai testé plusieurs techniques d'illustration. Mais je me rendais compte, en fait, que j'essayais de mettre des textures et des couleurs dans des formes. Mais je l'ai fait alors à moitié en découpage, à moitié en découpage numérique. J'ai fait plein de tests comme ça. Et en fait, le pochoir, je pense que j'y avais déjà pensé, mais je m'étais dit que c'était trop compliqué de faire une vraie image et voir un livre entier, que c'était impossible de faire un livre entier avec des images au pochoir. Et puis, j'ai regardé beaucoup d'images de Nathalie Parrin. J'en ai vu certaines, j'étais pas très sûre que c'était vraiment avec des pochoirs qu'elle les avait faites, mais pour moi, c'était... Je sais pas, ça a déclenché une envie. Et c'est vrai que le fait de découper, ça oblige aussi à épurer la forme. Mais pour moi, je suis pas encore arrivée vraiment à l'épure. J'ai l'impression d'être, sur la trajectoire. J'aimerais bien. Pourtant, le potager d'Alena, il y a quand même, il est pas mal à ce niveau-là, quand même. Adrien, par l'ange, pour chaque livre, vous avez une technique un peu différente et pourtant, il y a quand même toujours, en effet, cette épure de forme, de traits. Fin... Oui, je pense que ça vient du fait que pour me mettre au travail, je cherche d'abord une bonne idée ou une idée qui m'intéresse. Et je préfère une belle idée à une belle image. Donc, en fait, j'essaye juste de la mettre en valeur, de la faire passer, que ce soit compris. Mais je mets, je crois, à chaque fois uniquement l'essentiel. Je n'ai pas du tout envie d'en rajouter. Je ne me dis pas que mon idée sera plus intéressante si je rajoute un petit peu de décoration, si je mets des motifs dans le fond. En règle générale, je pense que je ne suis pas très intéressé par tout ce qui est décoratif. Donc j'ai tendance effectivement à réduire à l'essentiel. Et en même temps, ça dépend des projets, puisque par exemple, quand j'ai fait Le Grand Serpent, il fallait que les images soient très riches. Et là, j'ai dû, pour la première fois, vraiment m'obliger à... Et j'ai aussi trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis confronté à ces questions que connaissent bien la plupart des illustrateurs et des illustratrices, qui est de comment créer un univers un peu cohérent, un peu crédible. De dire, voilà, le personnage, il sort, il se promène dans un couloir. Ce couloir, il est fait comment? Qu'est-ce qu'il y a accroché au mur? Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, maintenant, voilà, je suis ouvert à tout. Et est-ce qu'on peut avoir Lucie aussi sur cette question? Alors, on n'a pas ton micro, je crois, Lucie. Et de faire plus minimaliste. C'est bon. Mais je ne sais pas. Oui, je pense que exactement ce que vient de dire Adrien, tout à fait. C'est l'idée, quoi, vous voyez, qui est le moteur du truc. Donc, si on veut vraiment que ce soit ça qui ressorte de notre lecture, à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas trop noyer le propos. Donc, je pense que c'est ça le souci. Mais après, pourquoi? J'en sais rien. Je pense que moi, quand j'étais petite, je me souviens que mon enseignante nous avait fait beaucoup travailler sur Matisse et sur toute la partie de son œuvre qui est les découpages. Donc, en fait, je sais pas. Moi, j'ai vraiment grandi avec toutes ces images hyper graphiques et que, pour moi, c'est le summum pour l'instant, malgré les années qui passent. Et donc, du coup, je pense que ça m'a beaucoup influencée dès le début. Et après, en école d'art, je m'intéressais beaucoup au graphisme, en fait, au début. Vraiment, des graphistes comme Deschulio ou qu'est-ce qu'il y avait, Appelwag ou je ne sais plus, Annette Lenz, vous voyez, toute cette vague-là qui sont... qui aime beaucoup le jeu, des trucs, des typos modulaires, des choses comme ça.
Donc, je pense que j'ai vraiment construit un peu mon travail sur ces références-là, initialement, et que c'est parce que je pense que ça correspond à ma manière de voir les choses, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est fondé là-dessus. Alors, on va passer à la prochaine question. Donc là, on a beaucoup parlé de la forme du livre. On va rentrer un peu plus dans le fond du livre. Et on va parler de la narration. Et on va commencer avec les imagiers. Voilà, donc évidemment, dans un imagier, le récit est plutôt limité. Il s'agit souvent de nommer une image. L'image, généralement, est un support au texte. Et c'est bien qu'on soit encore ensemble, Lucie, parce que du coup, on voulait un peu que tu nous parles de Prendre et donner, qui est quand même un livre qui a, je pense, pas mal marqué les esprits. Donc il est sorti en 2014 chez Les Grandes Personnes. Donc c'est à la fois un imagier, mais bien autre chose. Est-ce que tu peux nous reparler de ce projet? On va essayer de passer les images de Prendre et donner en même temps. Voilà, en quoi... Donc on est encore dans la manipulation, effectivement, comme Coucou, mais en quoi on dépasse le simple imagier classique? Est-ce qu'on peut entendre Lucie en même temps? Le micro. Lucie. Lucie. Lucie, est-ce que tu peux parler en commentant les images de Prendre et donner? Pardon, j'étais en train de parler dans le vent. Vous m'entendez là? Ouais, c'est oui. Parfait, ouais. Je vois pas les images, non? Ouais, voilà. Voilà, bon, super. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, ok. D'accord. Donc, oui, donc, je pense que pour cet imagier, le point de départ, c'était vraiment d'avoir une forme, d'avoir cette manipulation. Ouais, je me suis aussi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pédagogie de l'éducation nouvelle. Donc, en particulier, les pédagogies italiennes, Montessori, Reggio, voilà, j'aimais beaucoup ces objets, vous voyez, tout simplement, je voyais tout le matériel développé par Montessori, je trouvais ça tellement joli, vous voyez, ce truc de le bois, les couleurs, la matière, tout ça. Donc, j'étais vraiment, alors, je dis pas toute l'éducation nouvelle, hein, je dis plus Montessori en particulier. Mais bon, du coup, voilà, j'étais vraiment inspirée par toutes ces choses-là. J'étais en train de travailler sur un projet d'expo aussi de manipulation. Et voilà, l'idée de se dire, on a cette même forme qu'on va passer d'une page à l'autre. Il y avait déjà l'idée de la narration, l'idée de tourner la page. Vous voyez, en fait, à chaque fois, je me rends compte que mes livres, ça met l'accent. Parce que pour un tout petit, qu'est-ce qu'un livre? C'est tourner des pages, quoi. Donc à chaque fois, en fait, je me rends compte que le truc, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais tourner la page? Et donc l'idée du contraire était ensuite permettait de structurer les choses. Et des fois je me rends compte qu'en fait je suis plus dans l'idée de structurer un récit que de narrer une histoire. Et ça je me rends compte de plus en plus. Donc du coup voilà, vraiment le but étant à chaque fois de dire que c'est le geste de l'enfant qui va donner sens au mot qui fait, parce que tout simplement je me disais, quand on ne sait pas ce que ça veut dire le mot ouvrir, quand on est en train d'ouvrir, ça aide tout simplement à le comprendre. Oui. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus peut-être sur la fabrication aussi? Est-ce que c'est un livre qui a été compliqué à fabriquer? Ça, faudrait demander à Brigitte. Est-ce qu'elle s'est vraiment arrachée les cheveux sur ce projet-là? Est-ce plus qu'un autre? Je ne sais pas. Je pense que c'était pas évident, oui, je pense. Mais après, il y avait plein de... Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Vous voyez, des détails de fabrication, il ne fallait pas que les trous tombent les uns en face des autres, parce que sinon, forcément, ben, ça fait un trou, alors qu'il ne faut pas... Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça, vraiment à caler, mais en même temps... Oui, Brigitte. Voilà, je veux dire, Brigitte Morel, elle a une expérience du livre-objet, oui, ça lui fait... Là, ça, c'est sûr. Pas. Alors, on va enchaîner peut-être avec le ruban, Adrien, parce que là aussi, on est dans l'imagier, mais dans, voilà, bien plus encore qu'un imagier. Donc, c'est le ruban, il est sorti en 2000,
2016. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu as imaginé ce projet et voilà, c'est comment fonctionne le rapport image-texte et puis évidemment le signé un peu magique. La première idée qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est la double page où on voit une tête de serpent énorme avec juste le petit signet qui fait la langue, que j'imaginais au début être juste les pages de garde d'un autre livre qui aurait comme sujet un serpent et qui est sorti ensuite, qui donc s'appelle Le Grand Serpent. Et plutôt que ce soit juste des pages de garde, je me suis dit mais non, mais en fait c'est plutôt ça qu'il faut creuser. Et je me suis mis à chercher toutes les images qui pouvaient être complétées par un petit fil en bas, comme ça. Ce qui est marrant, c'est quand le livre est sorti, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais c'est étonnant d'avoir mis le signet en bas. » Et je n'avais pas réalisé pendant longtemps, que j'avais déplacé le signet, puisque dans mes souvenirs, il est en bas. Mais juste parce qu'il dépasse du livre et... Donc j'avais l'impression que j'avais finalement pas du tout touché à l'objet d'origine, ou très peu. D'ailleurs, à l'origine, je voulais aussi que le livre soit en papier. Je voulais vraiment que ce soit comme un détournement de l'objet classique. Et finalement, c'est mon éditrice qui a insisté pour que le livre soit en tout carton, pour que les images s'ouvrent bien, et elle avait raison. Oui, c'est un livre qui reprend la forme d'un imagier classique. Pendant un moment, je me suis posé la question de mettre de la narration là-dedans, d'enchaîner les pages et de les lier par une histoire. En fait, ça ne fonctionnait pas, c'était laborieux et finalement, ça n'apportait pas grand-chose. Donc, je me suis après dit peut-être qu'il fallait suggérer au lecteur une action à chaque fois, en lui disant « tire sur la langue, retiens le fil du funambule », pour au final choisir de laisser complètement libre le lecteur, la lectrice, de faire ce qu'il veut avec de compléter l'image comme il veut. Donc c'est comme si le lecteur devenait un peu co-auteur. L'image, on la fait ensemble. Moi, j'en propose une partie et le lecteur propose l'autre. Notamment, par exemple, dans la double page où il y a un crayon, où il y a écrit une inspiration. Le crayon est là, mais c'est au lecteur ou à la lectrice de décider ce que ce crayon trace. Si c'est une boucle, une droite, un cœur. Voilà. Et il y a quand même des pages aussi, là, par exemple, on voit un risque, une chute, qui mm-hmm. sont liées aussi dans le sens. Donc vous avez fait répondre des pages quand même entre elles. Oui, c'est une partie du travail que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Quand les pages ne sont pas liées dans un livre par une narration, dans le cas d'un livre d'idées ou d'un livre d'un imagier comme ça, on est libre de décider de l'enchaînement des pages comme on le souhaite. Et moi, j'ai cherché quand même à structurer le livre pour que ce ne soit pas juste un déroulé comme ça d'idées, pour que aussi créer quelque chose d'un peu confortable pour le lecteur. Au bout d'un moment, le lecteur comprend qu'il y a une sorte d'opposition, que les pages fonctionnent le plus souvent possible, en tout cas par paire, elles se répondent. Il y a une boisson, un repas, un serpent minuscule, un gros serpent. Et donc, ça crée, ça prépare un petit peu le lecteur à la suite, ou en tout cas, ça crée peut-être dans sa tête, sans qu'il se le formule vraiment, une petite attente sur quelle va être la réponse à cette première image. C'était une manière de structurer. Un cadre rassurant, mais dans lequel il est quand même acteur, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une part de surprise, il y a une part de jeu, mais il y a quand même une structure assez rigoureuse. Ok. Elena, du coup, toujours dans cette idée de narration, alors vous, avec vos livres pop-up, les textes dans les livres pop-up sont généralement assez simples ou courts, mais parce que l'image en elle-même est tellement spectaculaire que le lecteur est tout de suite amené à rentrer dans ce monde merveilleux. Mais on se posait quand même cette question de narration vis-à-vis des pop-up, comme vous disiez que vous étiez inspiré par la forme, que vous avez besoin de faire des maquettes, etc. On se demandait, est-ce que du coup c'est d'abord une succession d'images que vous avez en tête avant l'histoire, ou est-ce que vous avez quand même un chemin de fer classique avec la narration et ensuite l'idée de création des images arrive? Alors ça dépend vraiment des livres, mais
par exemple, enfin vraiment pour Jardin Bleu, j'avais vraiment cette idée de raconter l'histoire d'un enfant qui se promène dans son jardin pendant la nuit. Et au début, j'avais écrit une longue histoire de 4 pages que, au final, j'ai réduit à 7 phrases parce qu'en fait, j'ai compris que on n'a pas forcément besoin, comme tu disais, Rosane, de raconter une longue histoire. On a juste peut-être besoin de garder ce fil conducteur qui nous accompagne et aussi qui peut-être ajoute des choses qui ne sont pas visibles dans l'image. Donc souvent dans le texte, je parle des sons ou des odeurs. Enfin vraiment, j'essaie que tous les éléments, le texte, l'image et les pop-up, qu'ils apportent quelque chose un peu séparément pour créer une harmonie. Mais en même temps, l'idée du livre, elle vient toujours un peu au début, mais le texte, j'écris jamais le texte en premier, tout vient un peu en même temps. En faisant les images, je rajoute des phrases et tout, mais c'est un peu comme un collage, on pourrait dire. Et pour Neige, qu'on n'a pas ici aujourd'hui, mais on a peut-être des images, j'avais aussi l'idée d'un petit renard qui doit rentrer chez lui après une tempête de neige et j'ai toujours cette idée de faire et découvrir un espace qu'on connaît avec un nouveau regard, parce que lui il connaissait peut-être cette forêt en automne ou en été, mais il savait pas ce que ça veut dire la neige, et donc d'un coup l'espace très familier devient transformé et nouveau, et donc j'ai envie d'encourager les enfants aussi de regarder le monde qui les entoure avec ce regard-là. Enfin, même si on connaît un espace, on peut toujours y trouver des détails qu'on n'avait pas vus si on est attentif. Et parfois, voilà, ça demande de la concentration et du temps. Mais voilà, c'est un peu mon but avec mes livres, peut-être d'encourager les enfants à leur prochaine promenade d'être encore plus attentifs et voir les petits oiseaux dans les arbres et ne pas passer trop vite. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le jungle, il n'y a pas beaucoup d'histoires, mais en même temps, on a vraiment la voix du personnage. Enfin, on accompagne un personnage qui traverse une forêt tropicale, donc on s'y promène avec lui. Et à la fin du livre, en fait, on revient un peu au début. Donc la dernière phrase, c'est ici que tout commence. Donc j'ai pensé ce livre, pour le coup, il est pensé pour des lecteurs un peu plus jeunes. C'est pour ça que les couleurs sont bien contrastées aussi, pour que ça leur plaise et tout. Et aussi, je sais que, par exemple, moi, quand j'étais petite, j'adorais de lire les livres que j'aimais bien plein fois, 10 fois ou 11 fois. Plein fois. Et donc c'est pour ça que je voulais faire une histoire un peu circulaire, très simple, qu'on peut lire autant qu'on veut. Voilà, donc c'est ça. Alors on s'est posé la question aussi pour ton travail, Sophie, notamment ton travail autour de La Belle Équipée. Oui, c'est une forme assez inédite de narration. Alors, c'est un ouvrage qui est paru en 2020, donc La Belle Équipée, qui est un ouvrage à partir de 5 ans. Alors, c'est un livre très ambitieux parce qu'il fait 128 pages, que Sophie a réalisé entièrement au pochoir. Donc, c'était un travail vraiment colossal. Et il y a un rapport texte-image qui est vraiment inédit, où on a la possibilité, en fait, de choisir quel personnage on va suivre dans ses aventures. Donc voilà, le petit garçon ou les deux jeunes filles. Pour vous faire l'histoire rapidement, ce sont 3 enfants qui sont en colonie de vacances. Ils font des bêtises à la cantine et se retrouvent punis. Et ces enfants vont devoir créer un canoë pour essayer de s'échapper de la colonie de vacances. Donc les enfants peuvent suivre l'un ou l'autre des personnages qui a une mission bien précise, du ramassage, collecter des choses pour créer. Et on a la possibilité de les suivre individuellement, mais aussi de retourner en arrière, de passer des pages, un peu comme les livres dont on est le héros. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu cette idée-là? Parce que avec cette forme de livre, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça vraiment. Et est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet est né? Alors, pour raconter, ça va être un peu difficile parce que moi, j'ai travaillé sur ce projet pendant 2 ans et demi et il a pris je ne sais pas combien de formes différentes
au fil du temps. Et finalement, la question des illustrations, même si c'était un gros travail de faire toutes ces images au pochoir, ça m'a occupé très peu de temps par rapport à vraiment à la construction de la narration et la construction du contenu. C'est intéressant aussi qu'on ait parlé des imagiers au départ, parce que moi, ce projet, à la base, quand je l'ai présenté, c'était un projet d'imagier combinatoire. En fait, rien à voir avec... Enfin, pas rien à voir. Je pense que ça a nourri... En fait, toutes ces formes, elles ont nourri le projet final. Du coup, l'idée, c'était d'avoir un imagier en quatre parties, avec des personnages, des actions, des objets et des lieux, et qu'on puisse combiner un élément de chaque partie pour former une phrase. Voilà. Et donc, quand on y a réfléchi avec Sophie Giraud, les retours qu'elle m'a fait, c'était que c'était intéressant, mais que ça ressemblait plus à un jeu qu'à un livre. Et c'est vrai qu'on avait du mal à voir comment ça pouvait se retrouver dans la forme d'un livre, pour avoir les quatre parties, à part à la rigueur un livre pêle-mêle. Et donc, elle m'a suggéré de faire moi-même chaque association, en fait, de réduire, au départ c'était quatre et puis trois, éléments de chaque partie, et de faire moi-même toutes les combinaisons. C'est pour ça qu'on était parti sur l'idée d'un livre qui avait, je crois qu'au départ c'était un livre de 360 pages ou je sais plus. Pour arriver on était à 120 très enthousiastes. À la fin. Ouais, c'est ça. Et puis quand j'ai fait ces combinaisons, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de répétitions, j'avais du mal à trouver aussi un lien, et c'était assez ennuyeux. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis détachée de ces contraintes pour me tourner vers une narration. Alors pour moi, je suis revenue vers une narration classique, en fait. Mais j'ai voulu garder, et d'ailleurs, je ne l'ai pas forcément gardé tout de suite, il y a des choses que j'ai réintégrées après. Alors l'idée d'imagier avec des pages, je ne sais pas si on a là. Oui, je crois vers la fin, par exemple. Voilà. Là. Ouais. On a certaines pages, en fait, où les enfants, quand les enfants se séparent pour aller chercher des objets ou des choses pour construire le radeau. Et on a des pages d'imagier comme ça, avec des petites pastilles, avec chaque objet, les noms de chaque objet. Voilà. Et puis, moi, quand même, il y avait une idée, quand j'ai commencé à écrire la narration, je trouvais ça assez dommage de perdre l'idée de jeu. Et surtout que, ben, moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment fan des livres dont vous êtes le héros. Je trouve que c'est intéressant parce que ça rend vraiment le lecteur acteur, en fait, un petit peu comme acteur et co-auteur. Du coup, j'avais envie de réintégrer ça, et moi je l'ai fait de manière très simple, parce qu'un livre dont tu es le héros, c'est une structure qui est très complexe, et moi, en fait, j'ai juste divisé la narration en chapitres. En fonction des associations ou des combinaisons de personnages. Donc il y a un chapitre par personnage, et des chapitres avec deux personnages, d'autres chapitres avec les trois personnages. Et en fait, c'était assez simple de pouvoir sauter, de pouvoir faire des ellipses, en fait, de pouvoir sauter les parties avec les personnages qu'on a choisi d'abandonner en cours de route. Et ça me semblait intéressant aussi de montrer les différents points de vue, en fait. Parce qu'à un moment dans le livre, par exemple, les enfants se disputent. Et quand on se dispute, en général, on a une idée bien arrêtée et on ne se met pas forcément à la place des autres. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse lire une première fois le livre comme si on était un des personnages, et qu'on puisse ensuite s'intéresser à ce qui s'est passé dans la tête de celui avec qui on était fâché. Donc voilà, mais il y a beaucoup de choses, donc c'est un peu difficile à résumer. Voilà, c'était une sorte de petite cuisine un peu hasardeuse aussi, quelque part, mais... qui a mijoté longtemps. Ouais, un livre dense. Alors, après cette question, en fait, on avait aussi envie d'aborder la question des thématiques qui sont développées dans vos livres. Parce que, évidemment, donc, il est question de l'enfance, du jeu, de l'apprentissage, etc. Mais il y a quand même aussi des messages. Enfin, Elena, t'en parlait, par exemple, la beauté de la nature, s'arrêter pour regarder un peu l'environnement, la faune, la flore. Lucie Félix, vous avez abordé aussi des questions de biologie dans l'album Ariki aux grandes personnes.
Et puis Adrien Parlange, avec votre dernier album, c'est un peu la théorie de l'effet papillon. Voilà, donc en gros, on se posait la question de savoir comment vous choisissez en fait ces thématiques que vous souhaitez aborder avec les enfants, et est-ce que vous vous mettez des contraintes à ce niveau-là ou pas du tout ? Adrien. La thématique, c'est jamais ce qui me fait commencer un projet. Je ne me dis pas, je vais faire un livre sur la théorie de l'effet papillon, ou je vais faire un livre sur la solitude, ou je vais faire un livre sur la peur. En général, c'est le dispositif narratif qui, au bout d'un moment, impose une thématique. Pour la chambre du lion, je voulais que des personnages rentrent dans une chambre et n'en sortent pas. C'était tout mon plaisir à moi, c'était ça. C'est-à-dire comment je construis mon image en rajoutant des personnages, et où est-ce que je les place, et qu'est-ce qui peut se passer entre eux. Et puis il a fallu trouver une raison au fait qu'ils ne ressortent pas. Pourquoi ils rentrent et pourquoi ils restent à l'intérieur. Et donc après, j'ai décidé qu'ils se cachaient et qu'ils craignaient le retour du lion. Et donc, et au bout d'un moment, c'est comme si le projet me disait, le livre lui-même me disait, mais en fait, tu t'en rends pas compte, mais ça parle de peur. Et pour le grand serpent, j'avais juste envie d'avoir un serpent qui traverse l'intégralité du livre. Et à la fin, le propos vraiment du livre, il était révélé par la conversation que l'enfant allait avoir avec lui. Et j'avais imaginé différentes conversations. Il pouvait se parler de plein de choses, ça pouvait se conclure sur différentes choses. Et le livre aurait dit vraiment tout autre chose. Enfin, j'avais une autre version de cette histoire qui racontait vraiment quelque chose de très différent. Même s'il était vraiment très proche sur les 15 premières pages. Donc la thématique, elle apparaît au cours de la création du livre, et elle n'en est jamais à l'origine, mais aussi parce que moi, je n'estime pas que j'ai un message à faire passer. Je ne me dis pas, je vais faire un livre parce que j'ai quelque chose à dire aux enfants, parce que j'ai compris quelque chose. Non, c'est une proposition. Enfin, pour moi, chaque livre est une proposition. Après, les enfants, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Sophie, moi, je pensais au potager d'Alena, où il y a quelque chose de très contemplatif, un rythme un peu lent, où l'enfant est amené à observer la nature. Est-ce que ça, c'est pareil ? Est-ce que c'est une idée que vous aviez à la base de ce livre ? Parce que ça vous parle, ou est-ce que c'est venu comme ça en créant ? Ben moi, je pense que c'est un petit peu pareil, en fait, mais c'est des choses aussi... je pense que c'est des choses auxquelles je suis sensible, ou des questionnements même que je peux avoir dans ma vie au quotidien, qui ressortent et qu'on voit un petit peu après. Moi, le potager d'Alena, à la base, en fait, j'avais surtout envie de faire des images de paysages et de champs vus d'avion. C'était plus la forme, en fait, qui m'intéressait. Et pareil pour le personnage, en fait. C'était le personnage en différentes positions... en fait, l'histoire est venue après, mais je me suis pas dit je vais faire un livre sur sur les saisons, le temps qui passe, etc. Non, au départ, non. Ok. Après, il y a peut-être des prises de conscience qui arrivent et ouais. qui orientent certains choix, mais. Et est-ce qu'on peut entendre Lucie Félix à ce sujet ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment une question hyper compliquée. Donc évidemment, moi, je pense que ça se voit dans mes livres. Clairement, c'est également, je pense qu'avec avec Adrien, Sophie, Elena, il y a toujours ce point commun, c'est que la forme du livre a vraiment nous amené vers une thématique. Mais une fois de plus, je sais pas si c'est le mot. Mais moi, clairement, je pense que est-ce qu'il y a un message à faire passer dans mes livres ? Je pense pas dans un sens, je veux parler, effectivement, comme disait Adrien, je veux parler de la solitude, je veux parler de je ne sais quoi. Mais par contre, je pense que ma vision du livre et de la lecture influence quand même beaucoup, après moi, ma manière de créer, mais je veux dire en tant que lectrice. C'est-à-dire que j'ai un regard sur les livres hyper méfiant. En fait, je suis pas du tout... J'ai vraiment pas du tout la vision du livre comme l'objet sacré, super intéressant, rentrons dans la complexité. Vous voyez, pour moi, un livre, c'est vraiment un auteur qu'il y a derrière, et qu'est-ce que cet auteur est en train de me dire dans son livre. Et j'ai toujours cette idée d'essayer de comprendre vraiment, parce que la plupart
par des auteurs avant se masquer, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui diffusent des idées sans forcément en être conscient, ça va être un premier cas, ou en étant conscient et en ne le disant pas clairement. Donc moi, clairement, ma manière de considérer mon lecteur, c'est voici un objet qui a des choses à te dire, explore cet objet, critique-le, essaie de voir comment il fonctionne, qu'est-ce que c'est que cette affaire. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie toujours, je pense, de mettre mon lecteur dans une position d'acteur et d'explorateur, parce que je pense qu'un livre, c'est une petite machine qui a ses petits rouages et qu'il faut toujours être vigilant et de lire entre les lignes. J'ai l'impression que c'est hyper important tout au long de notre vie. Super, merci. On arrive à la dernière question, je crois, du coup. Eh bien, oui. Du coup, on voulait parler aussi du public, des enfants. Voilà, la plupart des auteurs présents, Lucie Félix aussi, voilà, ont des rapports, évidemment, avec leur public. Donc, en temps normal, évidemment, ils sont amenés à faire des rencontres lors de festivals, à rencontrer des professionnels de l'éducation, des bibliothèques. Certains aussi d'entre eux font des ateliers avec les enfants. Donc on voulait voir un peu, découvrir un peu comment, qu'est-ce que ça fait en fait de voir le public s'emparer finalement de leurs travaux. Il y a beaucoup de livres jeunesse qui parfois, on quitte la matérialité du livre pour devenir tout à fait autre chose, notamment du spectacle vivant. De plus en plus de livres sont montés en spectacle. C'est le cas notamment de Coucou. Alors je ne sais pas si Lucie est encore avec nous. Peut-être que ça serait l'idéal de commencer. Oui, super. Peut-être que l'idéal, c'est de commencer avec toi, Lucie, tant que tu es là. Peut-être qu'on commence par montrer ton teaser de Coucou. Et après, tu nous parles de cette collaboration. Tu parles du spectacle? Oui. D'accord, oui, vas-y. Alors, on peut mettre l'extrait, s'il vous plaît? Merci. Pour l'extrait vidéo, ça donne très envie. Est-ce que tu peux, je crois que tu es donc tu as fait ce projet du coup avec Mateja Bijak Petit et le centre de création pour l'enfance de Tinqueux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est de travailler avec un autre corps de métier? Voilà, c'était la première fois pour toi que tu imaginais un livre en grand, en spectacle? Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment super. En fait, avec Mateja, on avait déjà travaillé ensemble parce que elle a fait construire l'expo, une grosse expo qui est un puzzle encastrement qui circule, donc qui est diffusée par le Centre de création pour l'enfance. Donc on se connaissait déjà bien. Et donc elle est metteuse en scène, outre sa fonction de directrice du Centre de création pour l'enfance. Et metteuse en scène. Et donc, ce qui était super, c'est qu'on a vraiment pu élaborer quelque chose depuis le début. Donc, on est parti vraiment du matériel de ces ateliers que j'avais mis en place pour les crèches dans le cadre de cette résidence en Murau. Et donc, j'avais mis en plusieurs petites activités en place avec les enfants. Donc, il y avait des tuyaux, il y avait des œufs qui roulaient dans les tuyaux, donc les enfants. Court après, ça les rend foufou. Il y avait un atelier de construction avec des formes en papier et puis le livre.
Et donc, en fait, tout ça, les enfants circulaient dans cet espace qui était structuré autour de ces trois activités. Et donc, du coup, avec tout ça, on s'est fait une bonne grosse après-midi de boulot. On s'est dit, voilà, on va pouvoir faire quelque chose qui va prendre la forme d'un spectacle. Donc, c'est elle, après, c'est elle qui a fait toute la mise en scène, tout le scénario, si vous voulez. Après, elle est arrivée avec cette idée de, voilà, je te donne tout un tas de contraintes. Il y avait l'idée de construire des choses en papier. Mais le problème, c'est que sur scène, c'est infernal. Il y a trop de bazar, en fait, on n'y arrivait pas. Donc, pour pouvoir débarrasser cette scène rapidement, il fallait trouver une astuce. Donc, je me suis dit, on va faire cette espèce de grands carrés qui se replient. Je pense que tout le monde connaît le livre de Komagata. C'est un tout petit, je l'ai pas avec moi là. C'est un tout petit carré qui se déplie en escargot. Je sais pas si vous le... Non, on l'a pas, si on n'a pas connaissez. On l'a pas ici, on l'a pas en image, mais... De Ginkgo, il y a différentes petites questions. Ça, c'est un truc que je connais depuis super longtemps et je me suis dit, on va reprendre ce truc-là, mais on va le faire en grand. Et ce que permet ce pliage, voilà, c'est de le monter. C'est le nid, vous voyez. Ça permet de le monter en trois dimensions, de faire des cabanes, de faire des espaces, de structurer un espace en fait dans ce livre. Donc on peut l'utiliser en tournant des pages, ce que fait la comédienne au début. Puis ensuite on le déplie, ça fait une espèce de tapis de jeu. Et puis ensuite on le monte. Donc ça permet de structurer aussi la mise en scène et structurer l'espace. Donc après on joue à se planquer derrière, et on joue à sauter, tout ça. Et c'est un spectacle sans parole, du coup ? Un petit peu. Il y a un petit peu de... Il y a un poète qui s'appelle Pierre Soletti qui a écrit... En fait, il y a plein de gens qui ont collaboré à ce spectacle. Il y a donc ce poète qui a écrit des petites pièces. Il y a donc mon frère. J'ai un peu pistonné mon frère, mais c'était bien qu'il soit là parce qu'on travaille bien ensemble. Il a fait la musique. Il y avait un super geek, Max Lanz, qui a fait le... Vous voyez, on a un œuf qui tourne. Ouais. Là, vous voyez, de temps en temps, il le tourne. Et en fait, cet œuf, il est interactif. Donc, quand on le secoue, ça faisait de la musique. Quand on le tourne, il rigole. Il y avait plein de d'aspects différents. Et puis, Caroline Chaudry, qui était donc la comédienne. Et en fait, Mateia, après, il y a tout son boulot qui est énorme. Il faudrait qu'elle vous en parle. Mais elle a vraiment travaillé beaucoup en improvisation avec les comédiens, parce que donc il y a aussi une paire de comédiens à Ljubljana, c'était elle est slovène, donc c'était en partenariat avec le théâtre de marionnettes de Ljubljana, et elle a beaucoup beaucoup travaillé en improvisation avec eux. Et puis on a aussi eu quelques jours de résidence dans une crèche, tout simplement pour laisser notre matériel à disposition, laisser la comédienne interagir un petit peu et voir ce qui se passait et voir si nos suppositions s'avérait fondée. Donc encore de l'expérimentation auprès des enfants. Ouais, pas mal quand même. Et est-ce que tu sais si ce spectacle sera montré en France prochainement ? Il est montré en France, okay. Il tourne. C'est okay. Le centre de création pour l'enfant qui s'occupe de sa diffusion. D'accord. Eh bien, on va continuer peut-être aussi avec Sophie. Donc Sophie, pour l'instant, pas de projet de spectacle pour le moment, mais en tout cas Sophie, tu as fait des expos, je crois que tu as été en résidence à Blois, c'était ça. À Troyes, pardon, excusez-moi, c'est pas si loin, mais à Troyes, et est-ce que tu peux nous parler du coup de ce projet d'expo autour de la belle équipée, peut-être parler de ta résidence et puis peut-être de l'expo qu'on a accueilli aussi. Alors oui, pour la belle équipée, du coup, j'ai passé 2 mois en résidence à Troyes. Et suite à ça, la médiathèque de Troyes m'a proposé de faire une exposition, de monter une exposition. Donc elle m'a proposé un espace qui était assez grand. Et il fallait aussi adapter à la fois les images et... Alors, ce n'est pas les photos qu'on a là. Ah oui. Là, c'est les photos de l'expo qu'il y a eu après Troyes au musée de poche. Donc, du coup, dans une échelle beaucoup plus réduite que celle de Troyes. Voilà. Mais du coup, ce n'est pas du tout la même exposition, finalement, puisque au musée de poche, c'était des originaux. Et le bateau qui était en vitrine, qui est un jeu de construction... alors qu'à Troyes, à la médiathèque de Troyes, en fait, quand j'ai fait l'expo, j'avais pas encore fini le livre, et donc il y avait aucun originaux. Il y avait des impressions, il y avait tout un
une partie d'explication sur la recherche en fait et sur le livre. Et ensuite j'ai réfléchi à trois jeux en fait. Donc le jeu de construction qu'on voit là, avec lequel on peut construire un bateau, mais aussi plein d'autres choses, et qui était à disposition des enfants en fait. Donc c'est le bateau que vous voyez en vitrine juste là. Voilà, qui est en kit, en fait. En kit, oui, c'est des fausses branches et des fausses feuilles en bois. Ça, c'était un petit peu... Ça, c'était à la fin de... En fait, on commence par la fin, du coup. Ça, c'est à la fin de l'exposition. C'était pour que les enfants puissent se mettre à la place... Mais l'idée principale de l'exposition, c'est que les enfants puissent se mettre à la place des personnages du livre. J'avais aussi fait... des facsimilés, parce que dans La Belle Équipée, en fait, les enfants commencent leur recherche en allant à la bibliothèque, en allant chercher des exemples de bateaux dans des livres et sur un poster aussi. Du coup, la bibliothèque, c'est plutôt au début. Et ils trouvent l'idée de la forme dans un livre de bricolage. Du coup, comme c'était dans une médiathèque, j'ai fabriqué des facsimilés de ces livres qui n'existent pas, qui sont... dans La Belle Équipée, et je les avais cachés dans les rayons de la médiathèque pour que les enfants puissent aller les chercher, les retrouver. Et ensuite, il y avait un troisième jeu, un jeu de memory avec les objets qui sont sur les pages imagées dont on parlait tout à l'heure, des grandes reproductions de chacun des lieux, en fait, pour que... Voilà. Pour que les enfants puissent ensuite aller replacer chaque carte du memory au bon endroit, les branches dans la forêt. Voilà. Et c'était assez drôle de voir comment les enfants justement s'emparaient de ça. Parce que par exemple, pour ce jeu-là, moi j'avais pensé que les cartes de memory, en fait... c'est dommage qu'on n'ait pas d'image. Ouais. Sur les grandes bâches, j'avais placé les mots. Et donc, pour moi, l'idée, c'était que les enfants qui apprennent à lire puissent replacer chaque objet sur les bons mots. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers enfants qui ont utilisé le jeu, en fait, ont fait ça. Et il y a des plus petits qui sont arrivés derrière et qui ont utilisé la deuxième carte, comme les jeux de memory, c'est des paires, qui se sont amusés en fait à replacer la deuxième carte, à retrouver à remettre la bonne image sur la bonne image en fait. Ça, c'est des choses que j'avais pas prévues, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de voir comment les enfants s'emparent du dispositif qui leur est proposé. Peut-être que tu peux nous dire aussi les ateliers que tu as menés autour de ce livre-là, parce que finalement c'est un livre qui incite vraiment les enfants à être autonomes, débrouillards, à faire des choses de leurs propres mains. Bon, voilà, ils font aussi une grosse bêtise quand même. Ça fait partie de... Mais c'est une forme de liberté. Est-ce que tu peux raconter comment se sont passés les ateliers autour de La Belle Équipée ? Oui, bah, du coup, les ateliers autour de ce livre-là, alors il n'y en a pas eu tant que ça, parce que il est sorti l'année dernière, donc ça a un peu stoppé. Mais du coup, ça m'a permis aussi de proposer des ateliers. Moi, ça fait un moment que je voulais aller vers des ateliers plus libres, parce qu'au départ, nous, en fait, en tant qu'illustrateurs, on n'est pas vraiment formés à ça. Donc, en général, quand on nous propose de faire des ateliers, on débarque un peu et puis on essaye des choses sans savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Enfin, c'est un peu à tâtons. Et donc, moi, pour me rassurer, je faisais des ateliers au départ très structurés. J'essayais d'avoir plein d'étapes, de tout caler en étapes et de penser à un rendu final. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus et ce qui n'était pas forcément ce qui intéressait le plus les enfants non plus. Et donc là, pour celui-là, j'ai pris le risque de proposer un atelier, par exemple, où les enfants peuvent construire des bateaux, des petites maquettes de bateaux à partir de branches, de feuilles, de bouts de ficelle, de plein de choses de récupération, plein de matériaux de récupération en fait. Et je l'ai animé plusieurs fois en atelier parents-enfants, et j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que le parent et l'enfant sont obligés de se parler en fait. Et même les binômes ou les enfants entre eux, vu qu'il y a du matériel et que c'est pas du matériel qui est... Enfin, chaque petit bout de bois est différent.
Donc, en fait, il y a un dialogue qui se fait automatiquement, ben, ne serait-ce que pour essayer de choisir les objets, de négocier. Et en fait, j'ai trouvé ça très riche et j'aimerais bien développer davantage ce type d'atelier. Très bien. Elena, du coup, vous, le spectacle vivant, peut-être la dimension déjà en trois dimensions du pop-up, voilà, il y a un aspect un peu scénique, décor, décoratif. Je crois que tu as fait des décors pour certains spectacles et qu'en ce moment, tu es aussi en train de réaliser des ombres en papier découpé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es passée un peu du livre jeunesse au décor, au spectacle ? C'est vrai que depuis longtemps, j'avais ce rêve de faire des décors, mais un peu en grande dimension, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de ponts entre le livre et le décor de théâtre. Parce qu'on travaille l'espace, on travaille la lumière, on travaille les superpositions, on travaille le regard de spectateur. Enfin, vraiment, il y a pas mal de choses en commun. Après, les échelles sont bien sûr différentes. Et puis, quand on fait un livre, on travaille beaucoup tout seul dans son atelier. Bien sûr, un échange avec les éditeurs et toute l'équipe. Mais voilà, c'est un travail plus personnel. Quand on est scénographe, il y a quand même, je pense, une grande part de travail collectif, enfin, on ne peut pas tout savoir faire, donc ça c'est quelque chose qui est très différent, mais moi ça m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je voulais faire reprendre des études en scénographie pour me former et justement exploiter les autres possibilités du travail de l'espace. Et là on voit l'image d'un concert pour lequel j'ai créé le décor. C'était un concert à la Philharmonie de Paris. Et c'était un concert jeune public autour du mythe de Prométhée. Et donc, en fait, pendant ce concert, il y avait un narrateur, un musicologue, vous le voyez à droite, qui essaie de raconter un petit peu l'histoire de Prométhée en le voyant comme un créateur qui a donné le feu, du coup, mais en le voyant aussi un peu comme un créateur de musique, parler un petit peu de la création des idées, des pièces, comment est-ce que ça vient, comment est-ce que ça arrive dans notre tête. Et donc, en fait, pour ce spectacle, j'ai créé un décor en papier découpé. Là, je ne sais pas si on a des images, mais c'était des murets en papier découpé qui se modifiaient tout au long du spectacle grâce à la lumière. Et donc, on avait des ambiances très différentes. Et puis, on avait des personnages en théâtre d'ombre projetés pour parler justement des monstres qui sont parfois dans notre tête. Donc c'est vrai que la thématique était un petit peu sombre et c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais c'était super intéressant en plus de travailler avec les musiciens, de créer un décor un petit peu dans son coin et puis de voir comment ça prend vie avec la musique, avec la lumière, les sons. C'était vraiment une expérience très très intéressante. Et puis là, pour la fin de mes études, je suis en train de préparer un spectacle Paris Jeune Public en théâtre d'ombre. Et pour le coup, là, je vais vraiment faire des écrans, enfin des mises en scène en pop-up qui se déplient. Et donc, en fait, je vais essayer de joindre le théâtre et le livre à grande échelle. Donc, ça, ce sont des thématiques qui m'intéressent énormément actuellement. Voilà. Super. Et Adrien, peut-être, je ne sais pas si il t'arrive parfois de faire des ateliers, en tout cas peut-être des workshops en école d'art, j'imagine. Alors, il m'arrive de faire des rencontres en milieu scolaire, enfin des rencontres plutôt à l'école primaire. Ouais, l'école primaire, ouais. Moi aussi, la première fois où on me l'a proposé, ça m'a complètement affolé, parce que, comme pas mal de gens que j'ai rencontrés en école d'art, je suis venu au livre par le dessin et en fait c'était vraiment dans la continuité des journées que je passais seul dans ma chambre quand j'étais adolescent. Donc il y a quand même beaucoup de gens assez solitaires parmi les auteurs et autrices de livres, et aussi de gens qui sont pas forcément très à l'aise en groupe. Et là, tout d'un coup, d'être mis dans une classe et de dire bon, voilà, il y a 25 enfants, des enfants de 6 ans, de 7 ans. Moi, je n'avais pas fréquenté d'enfants de 6 ans depuis que moi-même, je n'avais plus 6 ans. Donc,
J'ai d'abord pensé que je ne pouvais pas faire ça. Et puis, en fait, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir au final. Maintenant, j'aime bien faire ça. Je trouve ça, c'est complètement différent. J'ai l'impression de tout devoir apprendre. Mais c'est très drôle. Est-ce que ça répond très... Complètement. Juste peut-être, je rebondis parce que pour ton dernier livre, il y a aussi cette idée de... Donc, on n'est plus trop avec la réception du public, mais c'était par rapport plutôt au théâtre d'ombre avec Elena Selena. On a aussi ce côté un peu scénique aussi quand même, oui. Finalement. C'est vrai que j'aime bien les... J'ai fait deux livres qui se passent dans un espace qui ne change absolument pas. Enfin, La Chambre du Lion était pas mal rapprochée au théâtre. Et le cadre, le format de la page qui se confond avec une chambre et donc qu'on peut voir comme une scène. Et le dernier aussi, alors se passe en extérieur, mais c'est un plan fixe de la chute d'une goutte de pluie donc, qui dure en fait quelques secondes, mais qui est donc vue au ralenti. Et c'est vrai que ça pourrait éventuellement être adapté. Parfois, je me pose la question. J'ai rencontré des personnes qui s'étaient occupées d'adapter Romance de Blex Bollex en pièce de théâtre. Il se trouve qu'elles habitent à Strasbourg, donc je les ai rencontrées, on en a discuté un petit peu, mais elles avaient envie de partir sur un tout nouveau projet, et donc il fallait vraiment créer quelque chose à partir de rien ensemble. Et bon, c'était un moment où j'avais surtout envie de faire des livres. Mais plus tard, peut-être, en tout cas, ça m'intéresserait. Aussi pour le côté collectif. Mm-hmm. Je pense que ça doit être très agréable de faire quelque chose avec des gens. Mm-hmm. Il paraît que c'est agréable, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Surtout en ce moment, ça nous manque un peu. Du coup, on arrive à la fin de cette rencontre. Donc, encore merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions aussi, si vous voulez poser des questions aux auteurs. Oui, l'idée, c'est de faire circuler peut-être un micro. Il y a Claire qui me fait un signe. Je pense qu'il nous reste quelques minutes, mais peut-être après. D'accord. Alors. Ok, donc je pense que du coup il y a l'équipe du MacVal qui va venir présenter ses activités. Très bien, on va vous donner un micro. On va vous laisser. Simplement. Un petit bip que je vais récupérer, que doit avoir. On va y aller. Je vais récupérer le petit. Elle est sur la table. La télécommande. Oui, elle est sur la table. Merci. Bonjour, donc moi Bonjour. Je suis Céline Latil, je suis la responsable du centre de documentation du MacVal. Et je suis Arnaud Begel, l'un des conférenciers du MacVal. Voilà, on va pas vous présenter toutes les actions en matière, enfin à destination du jeune public parce qu'on en a beaucoup. On a choisi de sélectionner des actions où en fait on utilise le livre en fait, dans la médiation. Voilà. Donc juste pour dire quelques mots, au centre de documentation du MacVal, il y a quelques années, on a décidé de créer un fonds de livres d'artistes. Alors l'idée au point de départ était surtout de travailler à partir des artistes présents dans la collection du MacVal et de voir comment ils s'intéressaient à cet objet. Donc on a d'abord créé un premier fonds à partir de livres, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, autour du livre d'artiste, il y a pas mal de définitions, de formes, etc. Mais en constituant ce fonds, en le présentant, on s'est aperçu qu'en fait, il intéressait beaucoup le jeune public et que surtout, c'était un formidable outil de médiation pour parler d'art contemporain aux enfants.
Donc on a décidé de développer un second fonds. Et là, nos acquisitions sont vraiment sur des livres d'artistes ou, enfin voilà, en tout cas des livres dont on pense l'acquisition dans un objectif de médiation à destination des enfants. Alors, je vais juste faire défiler quelques diapos, quelques exemples. Vous verrez qu'on retrouve beaucoup de livres dont on a déjà parlé. Bruno Munari, Comagata. On parlait d'abstraction tout à l'heure avec Lucie Félix. Donc on a les livres, les très beaux Leporello des éditions MAG, les Leporello de Varja Lavater qui reprennent les contes avec que des formes abstraites. Et effectivement, ça fonctionne très très bien avec les enfants. Des albums ou des livres autour de la photographie. Alors évidemment, les classiques comme Tana Oban, ça c'est... Voilà. On a eu du mal, hein, d'ailleurs, au point de départ, à constituer le fonds et à pouvoir acquérir ces livres. On a eu du mal à en trouver certains. Autour du pop-up, on a beaucoup de choses. On a les livres, les originaux de Philippe Huget. Alors, je vous ai mis en parallèle, à gauche, un original, donc édition limitée en sérigraphie à 100 exemplaires. Et à droite, les versions qu'il a fait en édition jeunesse avec les grandes personnes. Voilà, donc on en a pas mal. Julia Chausson, les très beaux Leporello en bois gravé, où elle reprend aussi les contes, sans texte, que de l'image. Et puis, à droite, une version édition classique. Une artiste, alors je ne vais pas en montrer beaucoup, mais voilà, là, une artiste qui ne fait que du livre d'artiste, tout façonné, fabriqué à la main, avec un principe. Elle, son principe, c'est de travailler qu'à partir de matériaux de récupération. Et donc, elle a le livre qui est à droite, qui est « Les cinq doigts aux voyageurs », qui est une comptine qu'elle a adaptée en livre pop-up, qu'on utilise beaucoup, et je vous en parlerai entre autres avec les crèches. Voilà, le duo Isinori. Nous, on a un vrai coup de cœur pour le travail de Mayumi Otero et Raphaël Urwiller. Donc, on a le livre que vous voyez à gauche et l'un de leurs premiers pop-up. Ils étaient encore à l'école d'art de Strasbourg quand on a acquis ce pop-up. Et puis, l'une de leurs éditions jeunesse, le très bel Imagier. Et puis... Juste, on parlait de papier découpé, d'utilisation du livre dans la médiation. Nous, on théâtralise beaucoup nos présentations de livres avec les plus jeunes. On utilise, c'est entre autres pour... on va vous détailler les synopsis, mais quand on travaille la question de la lumière et de l'ombre, avec ces livres des éditions papier coupé, en fait, on fait des jeux d'ombre avec les livres au mur. Hein, on utilise la lumière et voilà. Et ce livre d'Elena Bertoncini, à gauche, en fait, elle en a fait un théâtre d'ombre. En fait, elle a développé un spectacle à partir du livre où les personnages du livre sortent. Et elle a tout un dispositif en théâtre d'ombre qui tourne dans les écoles. Voilà. Et puis, juste pour vous dire que le MACVAL, suite à tout ce travail, a décidé de se lancer dans l'édition jeunesse. Et donc, on a alors un premier livre avec Charles Frégé, mais c'est surtout, on a lancé une collection qui s'appelle Livres d'artistes jeunesse. Je ne rentrerai pas dans les détails non plus, sinon il me faudrait beaucoup plus de temps. Mais l'idée, c'est de partir de projets artistiques préexistants et d'en faire une version livre d'artistes pour les enfants, sachant que le format, en fait, est imposé, est un format cahier, bon, on ne s'en rend pas compte là, mais cahier d'écolier. Voilà, donc on en a eu trois pour l'instant. Le quatrième, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le travailler. Je ne sais pas ce qui est prévu, je crois, d'ici la fin de l'année. Voilà, et donc, juste pour vous montrer chaque fois, donc Aurélien Froment, c'est tout un travail photographique sur le palais du facteur cheval. Le duo We Are the Painters, en fait, c'est un storyboard de film qui a été adapté. Et puis le dernier, Virginie Yassef, là c'est une pièce de théâtre qu'elle a, voilà, c'est toujours des projets artistiques préexistants qui ont été adaptés pour les enfants. Chaque livre n'est pas forcément fait pour la même tranche d'âge, hein. c'est pas du tout, voilà. Donc c'était juste pour vous montrer quelques exemples, mais il y en a bien d'autres, on a un fonds qui se développe de plus en plus. Et donc, on va vous présenter trois projets spécifiques
de médiation et je vais laisser Arnaud nous présenter le premier qui concerne les visites un livre, une œuvre. Tout à fait. On ne refait pas l'historique, on ne parle pas de l'abécédaire, non ? Oui, comme tu veux. Non, c'était bon. À l'origine, on avait été sollicité, surtout le centre de documentation, par l'Académie de Créteil, qui avait un projet pour encourager la lecture et l'écriture. Et ça passait par l'idée de faire un concours d'abécédaire. Et pour rendre tout ça un peu vivant et un peu stimulant, il y avait l'idée que toutes les classes participantes fabriqueraient elles-mêmes leur abécédaire et qu'à la fin, il y aurait une exposition et peut-être même un petit jury et peut-être un petit prix. Voilà. Et ils ont contacté le centre de documentation justement pour avoir un peu leur expertise, sachant que le centre de documentation fait depuis de longues années des ateliers d'artistes. En famille, dans lequel il y a une pratique plastique assez importante. C'est un samedi par mois, c'est ça ? Voilà. Donc il y avait cette volonté de pouvoir solliciter un peu l'expertise du centre de documentation là-dessus. Et le centre de documentation a répondu en disant « Oui, très bien, c'est vrai, on a un fonds de livres, mais on a envie quand même que si les classes viennent au musée, elles ne voient pas seulement le centre de documentation, mais qu'elle voit aussi en fait la collection du musée. Voilà, pour se rendre compte en fait dans quel endroit quand même les enfants sont et de voir que les livres ne sont pas séparés justement de la création contemporaine. Donc c'est là où nous on a été amenés à découvrir et un public puisque là on parle effectivement de très jeune public et aussi tout l'univers en fait du livre jeunesse et du livre d'artiste. Qu'on connaissait un petit peu moins, il faut être honnête, parce qu'on est souvent focalisé sur les œuvres exposées dans la collection. Donc pour nous, ça a été aussi un moment de découverte, en fait. Hein, voilà. Et ça se continue. Du coup, on a effectivement développé plusieurs formats dans lesquels les conférenciers sont associés à l'équipe du centre de documentation pour proposer des formats différents en fonction de l'âge. Donc un des formats, c'est celui-ci, un livre, une œuvre. L'idée, c'est de se donner une thématique et autour de cette thématique, de faire le centre de documentation choisit un certain nombre de livres et nous, on leur propose un certain nombre d'œuvres dans la collection qui nous semblent être intéressantes par rapport à la thématique. Évidemment, tout ça, on est dans la discussion, on ajuste en fonction des propositions. Et puis, quand la classe arrive, ils savent qu'ils auront deux temps. Donc, on sépare la classe en deux. Et il y a une moitié de la classe qui commence au centre de documentation pour aller justement découvrir ces livres d'artistes, pendant que l'autre moitié, elle, découvre les œuvres de la collection. Et puis, à mi-chemin, on intervertit. Ceux qui ont vu les œuvres vont voir les livres, ceux qui ont vu les livres vont voir les œuvres. Voilà. Et c'est vrai que on a commencé de manière assez expérimentale et puis maintenant ça fonctionne très bien et on a beaucoup de demandes. C'est ça. Et là, donc ce format s'adresse aux scolaires et aux centres de loisirs. Donc c'est maternelle et on va dire CPCE1. Les sélections. Alors Lucie Félix parlait de l'importance de faire découvrir des choses un peu rares. Donc l'idée, c'est vraiment de présenter des livres d'artistes, donc des œuvres d'art. Mais dans nos sélections, on a aussi des sélections d'albums, parce qu'il faut aussi donner des billes et la possibilité de poursuivre le projet en classe ou au centre de loisirs, donc de pouvoir aussi présenter des albums qu'ils pourront retrouver facilement à la bibliothèque municipale, etc. Et puis, alors je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, on en verra sur certaines diapos, on est dans un musée, on ne peut pas toucher les œuvres. Et comme on disait aussi, l'apprentissage et l'expérimentation, elle se fait aussi de façon sensorielle et tactile. Donc dans les présentations, on va pouvoir y passer. On utilise aussi les albums tactiles, les albums qui sont faits pour les enfants non-voyants et malvoyants. Et là, on découpe les séquences entre des temps d'observation, des temps de manipulation, avec les centres de loisirs, quand on est sur des formats un petit peu plus longs, qu'on passe à des temps d'atelier ou d'expérimentation. C'est-à-dire que nous, on achète aussi de plus en plus de jeux et de jeux d'artistes pour avoir aussi des temps. Sur les scolaires, on est sur des formats très pédagogiques. Sur les centres de loisirs, on est sur des formats plus ludiques.
Donc voilà, et les thématiques sont les thématiques liées à la collection. Donc ça peut être à la fois des thématiques sur les émotions, sur le paysage, mais aussi des thématiques qui sont plus liées à la pratique artistique, la couleur, le trait, etc. Sur un livre, une œuvre, tu as quelque chose à rajouter, Arnaud, ou non, on va pouvoir passer... Non, c'est compliqué, parce que sinon, il faudrait vraiment rentrer dans le détail et vous montrer les jeux d'écho qu'on a pu faire avec des œuvres et des livres. Mais c'est vrai que bon, si on n'a pas vraiment l'œuvre en face de soi, si on n'a pas le livre à manipuler, ça reste un peu théorique. De ce format, un livre, une œuvre, on a découlé un autre format qu'on appelle « Promenons-nous dans le musée », qui est en format à destination des crèches des 2-3 ans. En fait, dans l'équipe du centre de doc, on a deux collègues qui, dans une vie antérieure, ont travaillé en crèche. Et à force de faire ce format, un livre, une œuvre, avait envie de le proposer, de l'adapter pour les enfants de crèche. Alors, ce projet « Promenons-nous dans le musée », c'est évidemment un projet pour les enfants, mais c'est d'abord un travail avec les équipes de crèche. C'est-à-dire qu'on travaille en deux temps. On reçoit d'abord les personnels de crèche, à qui on fait découvrir le musée. Voilà, à qui on dit que le musée est un lieu pour tous. Donc, on a d'abord un temps de présentation des livres qu'on a sélectionnés, des synopsis qu'on leur propose en lien avec la collection. On leur présente les livres, on leur présente le centre de documentation, on leur présente la façon dont on travaille. On va ensuite en salle voir les œuvres. Voilà, et on parle des œuvres avec elles. Parce qu'il faut d'abord les convaincre de l'intérêt de ce projet. Il faut les associer à ce projet pour qu'ensuite, elles puissent venir avec les enfants. Donc, dans un deuxième temps, elles constituent des groupes. Donc là, on est plutôt sur des groupes de 8 enfants, donc avec un adulte pour 2 enfants. Elles constituent les groupes parce que 2-3 ans, entre un enfant de 2 ans et un enfant de 3 ans, peut y avoir, en termes de développement moteur, du langage, peut y avoir des grandes disparités. Donc elles constituent des groupes homogènes et ensuite elles viennent avec les groupes. Et donc là, on est, donc je vous disais, on utilise beaucoup les livres tactiles, donc des éditions Les Doigts qui rêvent. Voilà, des albums, des livres d'artistes qu'on présente d'abord au centre de documentation. Alors on commence toujours, hein, on a un petit temps de comptine d'abord pour faire connaissance, hein, voilà. Et puis donc voilà, de la manipulation parfois de certains objets. Et puis après, on part en salle découvrir les œuvres. Et alors je vais le remontrer, mais sous le bras de la collègue, il y a une petite boîte. C'est-à-dire qu'en salle, on peut pas toucher les œuvres. Et on a une approche qui est très sensorielle, évidemment, des œuvres. Et voilà, donc là on peut jouer, là si on était sur la thématique justement de l'ombre et de la lumière, on joue avec le corps et on fait jouer les enfants dans une vidéo, là, voilà. Et puis, alors on a toute une série de techniques, parce que dans le musée on ne touche pas les œuvres, mais alors avec les deux enfants de 2-3 ans ça peut être très sportif. Donc là autour d'une œuvre qui est faite de paillettes au sol, eh bien on a fait une ronde autour, voilà, pour d'abord leur faire découvrir l'œuvre par le regard, et puis après on ne peut pas toucher les paillettes alors que les enfants avaient envie de se jeter dedans. Donc on a une, dans cette petite boîte qu'a la collègue, on a une petite boîte avec plein de matériaux en fait. Et donc ça permet aux enfants de découvrir, de toucher ces matériaux, le bois, le plastique, etc. Donc là on avait une petite bouteille, ils jouaient avec des paillettes qui étaient dans une bouteille. Voilà, donc on a une approche très sensorielle, évidemment pour cette tranche d'âge, et encore plus pour le troisième dispositif qui lui est le dernier qu'on a mis en place l'année qui a précédé la pandémie, donc 2018-2019, on l'a testé qu'un an, qui est bébé au Macval pour les 8-36 mois. Voilà, et là c'est Arnaud qui va vous en parler. C'est une expérience assez intéressante parce que c'était un peu un défi, en tout cas pour nous conférenciers. C'est vrai que autant les maternelles, on sait faire, on est avec des enfants qui parlent et même beaucoup des enfants de maternelle, donc on est à l'aise. Voilà, c'est spécifique, mais on est à l'aise. Et comme le disait tout à l'heure un des intervenants, c'est souvent assez gratifiant et ludique de travailler avec des enfants. Travailler avec des bébés, évidemment, pour nous, en tant que conférenciers, ça nous déplace complètement et ça change tout,
puisque là, cette fois, ils ne vont pas nous répondre, ils ne vont pas nous poser de questions. Voilà, donc tout ce qu'on a l'habitude de faire, tous nos savoir-faire un peu de médiation et de médiateur, là, sont remis complètement à plat. Donc c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur le centre de documentation et sur l'expertise aussi de nos collègues qui connaissent très bien le très jeune public. Et l'idée, c'est avant tout que ce temps de visite au MACVAL, ça soit un temps collectif. Donc en fait, les bébés viennent, mais évidemment, comme ce sont des bébés, ils viennent avec leurs parents. Donc finalement, la visite, elle est bien sûr pour les bébés, mais elle est aussi pour les parents. Voilà. Et c'est une autre manière finalement de fréquenter le musée. Ça veut dire qu'on vient au musée avec son enfant pour faire des choses ensemble, pour participer à quelque chose tous ensemble. Et c'est, l'expérience montre que c'était une bonne idée de faire cette offre parce qu'on a vraiment un public qui se constitue finalement. Alors on reste en très petits groupes. Parce que évidemment, un bébé, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention et c'est très rapide aussi. Donc, on ne peut pas en avoir trois à la fois, sinon on serait débordé. Donc, c'est limité à 8 bébés par séance. Et croyez-moi, 8 bébés, déjà dans une salle de musée, c'est pas mal. Hein. Voilà. Ça nous mobilise beaucoup. Donc, on est deux adultes, mais il y a à chaque fois un parent. Et il n'y a pas une personne en trop, en fait. Hein. Un conférencier, une documentaliste qui nous permet d'ailleurs de pouvoir, quand, parce que pareil, entre un enfant de 8 mois et un enfant de 36 mois, l'interaction n'est pas la même. Et finalement, assez rapidement, il y a souvent l'un d'entre nous qui va plus travailler avec un groupe. Et voilà, même si on a des temps collectifs, évidemment, il y a des interactions au bout d'un moment qui se dessinent et qui font qu'un... Voilà. Mais c'est une visite, du coup, où les parents sont très acteurs, évidemment. Hein. Donc, on demande aux parents de participer. Tu voulais... Du coup, c'est une visite qui est assez courte. Hein. On voit quoi, 2-3 œuvres. Donc là, qui se passe entièrement en salle, qui ne, y a pas de temps au centre de documentation. On a un temps d'accueil, un peu cocooning au début, dans les ateliers pédagogiques, le temps de faire connaissance, pareil, petite comptine, etc. Et puis après, on part en salle avec les tapis. Et c'est une visite où on utilise... Ah, je suis revenue en arrière, pardon, je repars en arrière. C'est une visite où on utilise les livres devant les œuvres, mais aussi, donc c'est une approche très sensorielle, donc aussi des objets, des instruments de musique pour faire des sons. Donc là, on était devant une œuvre de Mircea Cantor, qui est un rainbow, qui est un bel arc-en-ciel. Et donc, on a fait toute une visite autour de la pluie, du vent, du soleil, enfin des éléments. Et donc, on a utilisé un bâton de pluie, comme on le voit là sur la photo, un espèce de tuyau rouge, quand on le tourne, ça fait le bruit du tonnerre. Voilà, et puis la présentation des livres, et aussi beaucoup le corps. Hein. Donc pour les plus grands, pour les enfants les plus grands, on est vraiment dans une découverte, par exemple sur une toile comme celle-ci qui est très grande. Voilà, on faisait des grands pas, on faisait des grands gestes pour montrer que la toile était très longue. Voilà, on a utilisé des Leporello d'ailleurs pour montrer aussi que le livre il peut être très 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 long. D'ailleurs, vous voyez sur le tapis qu'on utilise aussi le livre de Coucou de Lucie Félix. Voilà, donc on se déplace en salle d'œuvre en œuvre avec le tapis, les livres, voilà. Et voilà, là c'est une visite autour du visage et des émotions. Donc là c'est un des feuillets d'un des livres de Mounari. Je ne sais pas si je me souviens plus du nom, mais voilà. Là, on était sur la mer, donc les collègues utilisent des coquillages, des galets, pour faire le vent aussi, des ventilateurs. Sur la mer, on termine avec le petit livre La Vague de Suzy Lee. Donc, alors l'été, hein, évidemment, on ne fait pas ça l'hiver, mais on finit par asperger les enfants avec des brumisateurs. Enfin voilà, on essaye d'utiliser tous les sens et d'utiliser le livre comme les instruments de musique, etc., dans une approche très sensorielle. Alors là, je ne sais pas si c'est possible, en fait, dans l'image, j'ai mis un lien vers une vidéo
qui est un très court reportage qu'on voulait vous montrer de la Web TV du conseil départemental qui avait suivi une visite. Je ne sais pas si c'est possible de la lancer ou pas. Comment ? Bon, ben, c'est pas grave, c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur le portail documentaire du centre de documentation. J'ai pas amené les livres, mais pour ceux qui le souhaitent, on peut, après, à la fin de cette rencontre, je vous invite à monter au premier étage si vous souhaitez voir le centre de documentation et de découvrir certains de nos livres d'artistes que j'ai sortis. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. En tout cas, on vous remercie. Le micro. Non mais alors du coup, d'abord un mot de conclusion. Déjà pour vraiment vous remercier tous de votre présence pour cette rencontre. Enfin, c'est vrai que c'était un peu inespéré et on est vraiment ravis d'avoir pu la mener jusqu'au bout. Merci aussi aux artistes qui sont là. Je ne sais pas si Lucie est toujours avec nous, mais en tout cas, on l'a. Oui, remercié. Je suis là. Oui. Bah, merci beaucoup, Lucie, aussi. C'est vrai que ce n'est pas évident non, avec merci, les contraintes techniques, mais... C'est super. C'était super intéressant, là, le travail de médiation là, du MacWall. Oui, ouais, vraiment. On est dans la continuité. Donc, Super. Et puis, voilà, on voit aussi à quel point la relève de Mounari et compagnie est assurée avec vous. Et voilà, alors, après, est-ce qu'on a des questions un peu du public ou... Ouais, c'est après. Ok. Donc je vais juste, moi aussi conclure en disant qu'on a été vraiment, enchantés de partager ce moment. Je remercie aussi toutes les personnes qui suivent derrière leur ordinateur. J'espère qu'elles ont passé un bon moment aussi. Et juste dire que ces beaux ouvrages, bien sûr, ils sont en librairie, mais aussi à retrouver dans les médiathèques. Au MacWall, c'est bien sûr pour prendre un temps de consultation et dire que nous aussi, dans le cadre de nos projets, de nos actions livres, lecture, petite enfance, on est vraiment aussi dans cette dimension de faire partager de très bonne heure aussi le goût et le plaisir de la lecture, que ça va aussi vers la découverte de l'objet livre, mais aussi de l'attention portée et puis de la relation, de la transmission qui est si essentielle pour le tout petit et qui donne vraiment à tous les enfants les mêmes chances d'accès aux livres et à la lecture et à la culture qui fondent vraiment notre humanité. Et on peut le rappeler, surtout en ce moment. Voilà, continuons à lire des livres aux enfants, que c'est vraiment essentiel. Moi, je remercie encore Pauline et Rosane pour leur travail de préparation. Vraiment, qui a été un gros travail de préparation. Et Adrien, Parlange, Léna, Séléna et Sophie Vissière, parce que vraiment, et Lucie, Félix, bien sûr, que je vois à l'écran, parce que vraiment, là, de nous offrir une telle qualité de livre, on est enchantés par, en tout cas, tout ce travail qui nous fait rêver et qui nous rend aussi actifs, curieux, au-delà un petit peu du formatage, et on a besoin de ces espaces d'ouverture, de liberté vers l'imaginaire. Donc le programme de partage de lecture continue cet après-midi avec Rosie. Donc je vous souhaite de belles lectures, belles découvertes, et merci encore à vous tous, d'être présents ici. Donc on va continuer sur un petit temps de
question-réponse entre nous, puisqu'on n'a pas